look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. For the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, heat ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all right. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know. C'est la fin du monde. We'll be right back.
ne sautez pas n'est pas ma non, et non. Et qui ne sautez pas n'est pas ma non. Je pense qu'on va devoir les refaire parce que vous n'étiez pas vraiment chaud. Et j'aimais bien les gens chauds, ceux qui sont prêts à partir à la guerre ou en CP. Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. This what a come with a hook right. Là, j'ai oublié d'arrêter la musique parce que je suis un boulet. Boulet. Oui, oui. Mon Dieu, une émission, qu'elle est bien, ouais, ouais. Oh, ouais. Émission, ouais, ouais, ouais. On y est, Benny. Oui, je n'étais pas grand. Oui, je montrais mon cul à tous les passants. Ma mère me disait, vas-tu le cacher? Je lui répondais, veux-tu le lait? Oui, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Montrais mon cul à tous les passants. Vous aimez bien quand je chante, hein? Ah, je sais. T'as qu'à faire péter le seum et j'arrête de chanter, gros. Tu le sais. 2500 subs, j'arrête de chanter. Ouais, 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 ouais. De toute façon, Miguel et mort RP, on fait un nouveau perso. Miguel et mort RP, tu es par un los dans la sauce. Let's go!
merci mesdames et messieurs à tous ceux qui viennent de Rustive. Cola, merci à toi, merci à Darthéon qui offre fin seul à la communauté. Merci à Rangers, merci à Thiodez, merci à Tipeee, merci à John Pease. Oh yeah. J'espère que ça vous a plu hier soir aussi, le top 1 avec Shaw et Amaru. Je suis un peu deg de ne pas avoir joué avec Amaru. Oh, wow. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'envoient sur les réseaux sociaux leur top. Oh yeah. Oh wow, 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 wow. Oh mais quelle intro de folie mesdames et messieurs, quelle intro de folie. D'ailleurs j'en profite mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, j'espère que ça vous a plu la soirée d'hier que nous avons fait avec Shaw Hacha en direct de Lyon, c'était vraiment cool. On a eu en plus l'occasion de beaucoup discuter avec Elia, c'était vraiment cool avec Shaw et tout, on a passé vraiment une bonne soirée. Le frérot Hugo était là, c'était vraiment cool. Je suis dans le noir total, mon œil essaye de finir d'être réparé. Il y aura pas de cam ce soir, elle reviendra demain mesdames et messieurs, où nous testerons d'ailleurs Icarus pour Nvidia, ça sera plutôt cool, ce sera demain après-midi. Après vous aurez une semaine spéciale de Noël la semaine prochaine avec notamment aussi un dessin de Miguel by Antoine Losty pour la sortie de la BD Miguel. Vous pourrez poser vos questions, on fera la FAQ de la BD Miguel mesdames et messieurs, on en parlera, ça sera lundi notamment. Merci à vous, je vous rappelle d'ailleurs on peut faire une chose ensemble maintenant parce qu'il faut le faire et parce que ça permet de continuer de garder les sponsors. Cliquez-moi sur ce lien mesdames et messieurs, ce lien que je vous mets dans le chat tout de suite maintenant, vous cliquez, vous le bourrez, vous cliquez au moins une fois dessus histoire d'aider cette chaîne. C'est maintenant qu'il faut cliquer sur ce lien. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui sub et qui resub, mesdames et messieurs. 1436 subs, un 16 décembre. Merci à Flavunduk, merci à toi. Merci à Aden Sama, merci à toi. Merci à Tainsaka, merci à toi. Merci à Mayas qui vient d'offrir un sub. Merci à Nalia qui vient de resub aussi. Bah, bienvenue à tout le monde. Voilà, faut faire péter le lien. Faut faire péter le lien, mesdames et messieurs. Voilà, je vous le dis, mesdames et messieurs. C'est cassé. Ah, vous l'avez cassé ? Comment ça vous avez cassé ? Ah le lien vous l'avez cassé, trop de clics dessus. Comment ça c'est cassé ? Mais c'est beau, parce que ça c'est, vous êtes la meilleure commu au monde mesdames et messieurs. Je vous le dis, vous êtes la meilleure commu au monde. On aura le temps de faire un facecam demain, on aura le temps de discuter ensemble demain de 13h à 17h, on testera Icarus. Mais là on part en RP, le lien est mort. C'est bizarre que le lien est mort. Hugo ! Partons en RP tout de suite mesdames et messieurs, car Pablo s'approche et Pablo veut parler. J'étais petit. Je n'étais pas grand. J'aime montrer mon cul à tous les passants. Salut Pablo! Mes oui. Passants disaient, veux-tu les cacher? Je lui répondais, je vais te niquer. Oui. Qui m'a dit à tout le monde que tu avais un bon cardio? Alors on voulait pas savoir les détails, mais ça devenait chelou. Mais j'ai... avec mon membre est supérieur, inférieur. Avec ton gros texte. Ouais, tout oui, à fait. Et avec mon gros texte, j'ai vu. Il faut que j'aille chez les médecins. Ouais, bon, on y passe. Il y a les zodiacs qui arrivent pour des sacs là. Impeccable. Les chevaliers. Benson m'a envoyé un putain de message, il faut qu'on en parle. Jean Miguel, j'ai un cardio, des fois je déglingue ma femme, elle pète des piles. Bonsoir. Les cardio, des fois j'y passe toute la nuit et après j'ai fait l'amour à ma femme. Kim, tu veux pas lui faire les chansons à Miguel? C'était pour les groupes. Qui chanson? Les chansons? Oui. Elle a deux chansons, Miguel. Les chansons? J'en ai trois même. Vas-y, Kim, vas-y. Vas-y, j'écoute. Mais non, mais c'est. Mais non, mais vas-y là! Vas-y, trop tard, chè. Mais quelle c'est dans la sauce. En plus, c'est, y en a une qui va te plaire. Qu'est-ce que j'écoute? Elle m'entraîne jusqu'à la CP. Qui ça? Les supérettes braquées m'entraînent. Putain, je suis en train de bouffer. Jusqu'à la CP. Je vais me faire bilopser. Il faut la teinter, celle-là. Benson, je pense qu'il m'a déjà appelé. Il faut la teinter. Oula. J'ai règle. Allô, c'est pas bon. J'ai règle. C'est vachement pratique ce téléphone voice coder, mais c'est quand même compliqué. J'ai règle, c'est bon. Pourquoi ça rigole? Ça se fout de ta gueule, je crois. Restriction. Un bruit de fond, non? Oui, un peu, oui. Il y a un peu d'écho. Bizarre quand même. C'est souple. C'est Mike, c'est toi? Il vit de ton côté quand même. Hein. C'est vraiment parti sur le genre de blague. Oui, je sais, j'ai fait semblant de faire des proutes. Bon, c'était quoi les paroles? Oui, il m'entraîne jusqu'à l'ACP. Oui.
J'ai... Oui, c'est ça, c'est... Il m'entraîne jusqu'à la CP. Qui ça, qui ça? Merci, Mike, pour les cœurs. Faut que tu lui fasses l'autre aussi, elle est pas mal. Je vais me faire bilupser. C'est vrai que bilupser, c'est plutôt fort. Il est fort, bilupser. Oui. Et Pablo, c'est concernant... Et Benson, c'est concernant les petits groupes? Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Alors. Si c'est géré, c'est bon. Très bien. C'est géré. Balé. Pourquoi il veut tous les noms des petits groupes? Bah parce que potentiellement il a annoncé que le dernier perdait son bis, donc Il veut savoir qui c'est qui est sur le marché un peu. Quoi, je pense qu'il se renseigne de qui c'est qui bosse pour qui et tu vois. On verra. Je pense qu'on le saura assez vite hein. J'ai fait un récap, je sais pas si tu l'as lu. Alors j'ai mon téléphone. Ça c'est... Il faut que je vous parle. Okay. Très bien. Ça marche. Très bien. Et il faut chercher les médecins. Alors, beaucoup de choses humaines faire avec appartement de PTPT, Sanctus obtenu, conflit stoppé. Les conflits avec les Losteclos, la Sanctus est à la maison. Aïe, m'a donné si les contrats étaient toujours d'actualité, je lui ai dit que non. Oui, il n'en a pas le temps. Les Valas nous ont emporté 400 sacs, se sont plaints de galérer et de nous faire des prix des dopés. Mais je vais surtout niquer sa mère. Et. On aurait dit, or cette nuit, ils ont up des 200 points. Je vais les rappeler que je vais dire que je leur fais un geste et terminé. Donc si jusqu'à demain pour une émission 50 sacs plus des excuses. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Est-ce que nous a également dit que c'est quand je suis une boss. Bah non, t'avais dit vendredi après, non? Oui, bah maintenant c'est avancé à ce soir. Ah. Voilà. Moi je pense qu'ils les auront pas. Très bien. Bah les sacs demain, les excuses ce soir. Une conçue, une boss pour une passer une commande de 30 azmat qu'on doit faire. Ok. Les subs deviennent complexes et Ginette n'a plus d'argent ou très peu, c'est normal, tout le monde est su. Les Lost ont tenté de braquer G6, mais G6 a tiré avant. Avant qu'elle parle, donc G6, mauvais plan. Bah oui, c'était débile. Pas rentable, une banque vient d'être faite, donc on est passé en sécurité max. Nickel, monsieur Benson, ouais. M'appelle s'il voulait avoir les gens. La 7193, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai transmis. Qui bosse, fait... Ok. Pablo! Dis à l'espèce des bouffons qui habitent chez les Balas que les excuses ce soir, les sacs demain, sinon ça chie. Je vous m'attends Ouais. Pour arrêter les conneries. C'est pas beaucoup, 1200 sacs. L'augmenter de 200 000 points, c'est fou de ma gueule. Déjà des excuses, un bon uniforme. Oula. Mais non, ça passe. Bonjour. On dirait Benrix du Binez. Allô, c'est Benrix de la Mano maintenant. Ah oui, c'est ça, oui. J'ai un cadeau pour les patrons des Balas. J'ai un petit chassé des selles. Ah. Oui. Ça me semble être une personne très salée. C'est bête, j'ai plus de dildo usagé. Nickel. Le dildo usagé, il a pas répondu là. Radio combien? Après, si on pouvait éviter de retourner en hier, alors 479. Oui, mais sauf que ces fils de pute, qu'est-ce qu'il a fait? De la merde. Ça marche. Je suis d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'on est obligé de se venger là maintenant tout de suite? Les balos. Putain de. Et Nicolas, il me répond pas, donc si tu rappelles, il rappelle, mais. Mais si j'appelle Bronson, l'autre il va gueuler. Mike? Oh, chien. Il fait bien. Hein. Il fait bien, non? Pardon. Il y a eu une banque plutôt. On sait pas qui c'est qui l'a faite. Personne n'a augmenté en score, donc potentiellement ils l'ont foiré. Sauf s'ils stockent, mais je trouverais ça débile de stocker après une banque. Des débiles, il y en a un paquet. Ouais, ouais. Bah, du coup, il y a une banque qui a été faite, donc. J'ai eu une discussion avec Tim. Ouais. Il va vous parler. 300, non, Mike Oui, c'est ça. Et il se barre. Il s'occupe de la coco, du coup. Il va vous parler, j'attends qu'il fasse l'annonce. Il va vous parler. Il a pas trop le choix. Moi, je réfléchis voir si j'ai oublié de te dire un truc, mais normalement non. Les waves, ça baisse bien.
On a blanchi, on blanchit en moyenne 450 000 par jour. C'est bien ça. En plus de bosser, ça chauffe, quoi, ça chauffe, de faire des sacs. En moyenne, on est à 1000 sacs faits par nous-mêmes à la journée. On est à 3 millions 6. Pour la coco, c'est ok. Ok, je les prends. Réponds pas, quel dommage. T'en as mis 110 où? Et on a une moto? Dans ouais. l'urban? Eh ben c'est nickel, alors on a 300 de weed, c'est bon. Les sacs ont été vidés, c'est bon? Ah non, non, pas encore, on attend, on attend qu'ils bougent, ouais. Bah sinon, commencez à la main, hein. Ouais. Chez les trophées des guerres. Ouais, alors Hannibal a déjà été à l'hosto. Oui, mais c'est quand même les trophées des guerres. Ouais, il faudrait que je change la custo. Les trophées des guerres dans leur face de merde. Et il l'a fait sans que... Ouais, écoute, tu te casses la gueule. Il l'a fait sans que Taylor soit au courant, donc faut s'attendre à quelque chose, je pense. Enfin, après, c'est leur problème interne. Taylor n'est pas là, ne répond pas, foutu tout le monde dans la sauce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je leur ai dit qu'à 21h30 on se remettait sur les sucs, mais comme il y a les... Il faut que quelqu'un m'amène à l'hôpital avant. Ouais, bon on va y aller. Attends, je vais bouger l'autre. Je vais poser le sale et on y va. Allez. Et Pablo va m'amener à l'hôpital. Et después on fera les supers. Ça marche. Ça marche. Hannibal, tu sais que t'es beau. Merci boss, toi aussi. Oui, mais toi t'es beau, beau. Qui ça, qui ça? Il m'entraîne au bout des CP. Attention, ne pas se faire bilapser. Il m'entraîne au bout des CP. Qui est ça? Miguel? Ouais. Elle t'a fait la deuxième, Kim? Mais non. Chut! Ah, je veux la deuxième. Mais j'en ai plein, mais attends, mais je vais te les envoyer. En envoie-moi, fait, envoie-moi tous les textes, comme ça je vais chatter en boucle. Oui, je vais te les envoyer. J'en ai une sur Johnny Hallyday. Faire quoi? Pas 4, il m'entraîne au bout de ses pets. Qui ça? Qui ça? C'est vraiment les pires jeux que j'ai jamais installés sur mon téléphone, les voice coders. C'est bon, on a vidé les sacs. C'est bon, les riatas sont vides. Vas-y, je sors une voiture et on y va. Je vous rappelle d'ailleurs, humble spectateur, que vous pouvez arrêter le chant de Miguel à n'importe quel c'est moment. Bon, grâce au sub en arrivant à 2500 subs, cela est tout à fait faisable. Si chacun d'entre vous paye un sub maintenant, il y a 5000 subs. Ce qui serait d'ailleurs très très drôle. Les comptes sont à voilà. Chez vous, là, niveau si tout le monde pète un sub maintenant, déjà, vous cassez Twitch, ce qui est très drôle. Et de deux. Imaginez, on serait à 5-6 000 subs. Moi, je veux voir ça, une fois dans ma vie. Est-ce que pour mon anniversaire, vous faites ça ou pas lundi? C'est une vraie question. On s'est tâté à faire une banque cet après-midi. Mais il y a un poulain à Mike qui l'a appelé en lui disant qu'il était il avait été pris en otage pour faire une banque mais relâché parce que il y avait une sécurité max dans une banque. C'était débile. Ouais bah complètement hein. Donc bah nous on s'est pas lancé dessus. C'est vrai qu'à 6000 subs on est bon pour on visage aussi. Juste info et ce soir il y a une banque qui a sonné on sait pas de qui. Tony merci pour les 10 subs. Merci à Pipou, merci à Pauline, merci à Fa, merci à Loubout, Panda, Bukikui. C'est vrai qu'à 6000 subs, je suis obligé de finir faire le jeu visage en entier. La compta, bah non, faites pas ça. Le jeu visage en entier, je suis moyen chaud. Du coup, info très utile. À 4444 subs, on avait dit le jeu visage en entier. Oh, ça c'est la merde ça par contre. Très mauvais deal. Et c'est un bonheur. Vraiment. Victor, 50 subs. Mais vous êtes des malades, vous avez craqué. Oh, ah bah non, déconnez pas. C'était une blague. Je rigolais. Victor, les 50 subs, merci à toi. 15 subs de Steph. Oh, Steph, magnifique, merci à toi. Un craquage. Ah merde, c'est la merde. Merci à vous, vous êtes des malades.
la meilleure commu du monde. Résultat, j'ai plein de surprises pour vous. Déjà lundi, on fera la FAQ de la BD. Et en plus, Antoine Losty vous dessinera un Miguel de Noël. Il est censé passer ce soir. Qui ça? Qui c'est qui est censé passer ce soir? Qui? Tim, T-I-M. Et oui, s'il arrivait, il a un souci d'appartement. Il a dit que s'il arrivait pas à passer, il ferait les communications auprès de tout le monde. Merci à tous ceux qui offrent des subs et qui resubent et qui offrent des subs et qui pètent du sub et qui m'explosent les subs. Vous êtes des malades, merci à vous. Vous êtes the best community ever. C'est qui a les mêmes manteaux que nous? Syndicat. Syndicat? Mmh. Il bosse pour nous pour le moment. Oui, d'accord, mais marron, ça fait. Dégueulasse. Je suis d'accord. Par contre, c'est moi ou ils ont pris. C'est la même tenue exactement? Ah non, pas Léo. Non, je crois. Oh, je le perds. Ah, mais tout le monde a craqué ce soir, et le caillouteux 25 subs. Victor 50 sub, il y a du 6 sub, du 5 sub, du redis sub, monsieur Apo, merci à toi. Amblore, merci à toi. Oh, le craquage, vous êtes des malades, merci à vous. Vous avez cassé le train. Les syndicats regardent leur stockage et ils passent. Bonsoir. Ils des sacs. Bonsoir. Ok. Yam 37, merci à toi, merci à Lek. Redis sub, merci à Weeman pour le 7ème. Ouais, c'est pas grave. Féodor, le resub. Red Tipia pour les 5 subs. Ça dit, j'ai offert, je me suis même pas sub. Charlie qui pète le. Qui offre un sub. Il y en a un paquet qui pète le Prime là. C'est Mike qui gère. Que du bonheur. Niveau petite main. Comment ça se passe avec Ben? Oh, plutôt bien. J'ai rien à dire pour le moment. Il est souvent avec. Je crois qu'il a passé la journée avec Mike. Je pense que ça se passe bien. J'ai pas eu de retour de Mike du moins, donc ça doit bien se passer. Je vais lui demander quand même. Ouais, carrément. Mike. Et puis pour le coup, je le laisse gérer The Run. Il a l'air de s'éclater là-dedans, donc. Je crois que ma femme elle m'a envoyé les chansons. Ah ouais, ça y est. Ah oui. On a tous quelque chose à nous débilupser. Virage raté au milieu d'une CP. Et pourtant Ginette avait tous les. Et pas de chouf qui pouvait nous aider. On a tous quelque chose à nous débilupser. C'est bon ça. Visez Ginette, oui, ça lui fait pas peur. Même à l'usure, je la braque encore, encore. Des sacs, des sups, pour The Run, j'en ferai. Oui, j'en ai déjà fait, oui, toujours le taser levé. C'est des super chansons que fait ma femme. Elles sont géniales, tes chansons, chérie. C'est mou, ça crame en face. On te jade. On te. Je suis. Et merci chérie. Elle donne, et parfois elle sonne. La Ginette adorée.
mais des fois ça pourrait souffler. Oh, elle est belle celle-là aussi. C'est... Et cette fois c'est un peu scellé. Tu cours, Bilaps dans sa voiture, tu courais dans la rue, car tu as foiré la supérette. Il faut que j'en écrive une, j'en écrive une. Faut mettre Bilaps station dedans. En fait, t'as la Bilaps party aussi si tu veux. Manon record mes manques. Miguel, après on peut la proposer. Bonsoir, c'est la Bilaps. Bilaps party. Il y en a un qui peut faire ça. Tant qu'il y a de la sup, oui. C'est pas fini. Oui, on y va. C'est pour les faire les contrôles, les routines et les incapacités. Ok, de qui? Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Charles Collins. Ok, je regarde votre dossier. 3, 4, c'est la Bilaps. Bilaps party. Tant qu'il y a la shafter, c'est pas fini. Tant qu'il y a de la sup, c'est pas fini. Ok, du coup, je vous laisse m'en suivre. Bien sûr, je me suis. Ok. Allez-y. Bien sûr. Pauline, je prends salle de consultation numéro 1. Bilaps, Bilaps, Bilaps revient. Bilaps revient parmi les tiens. Drangai, merci à toi pour les 5 subs offerts. Comme vous êtes des grands malades ce soir, merci à tous ceux qui ont sub, re-sub, offert des subs, offert beaucoup de subs. Bitsé, follow. Vous êtes des fous. Vous êtes les meilleurs. Des meilleurs. Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Les meilleurs. The best. Vas-y. C'est normal que la dame monte son cul. Pardon? J'ai dit c'est normal que la dame montre son cul. C'est de l'art abstrait. Oui, c'est des contemporains. Contemporain. Oh. L'art contemporain. Ok, bah, c'est pas trop mon style, je vous avoue. J'imagine, de montrer votre cul ou d'être contemporain? Les deux, on va dire. Vous êtes jamais content, je comprends. Je suis un éternel insatisfait. C'est vrai? Alors du coup, je vais enlever votre veste et votre chemise, et vous installez, tout nu, d'accord? Vous voulez me voir? Non, pas tout nu, non. Vous savez que j'ai une femme? Non, le pantalon, vous pouvez le garder. Hop là! C'est la merguez, docteur. Merguez parti. Oui, quand il y a de la... Merguez parti. Oui, mais quand il y a de la... Je sais pas, dites-moi. Et de la braise. C'est ah, pas fini. C'est pas fini. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson? Petit escargot. Petit escargot, voilà. Porté sur son... Sa maisonnette. Oui, aussitôt ouais. qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Très belle chanson. Ouais. Très, elle belle, est toute mignonne. Très belle. Au niveau de la douleur, est-ce que vous allez mieux? Mais c'est pas du tout mal. C'est vrai? C'est des médicaments? Ok, attends, parce que vous avez quand même pas mal de médicaments. Oui, oui, j'ai... Ok, je regarde quand même votre dossier. Ok, je vais quand même passer une petite échographie au niveau des poumons. Oui, faut qu'on aille faire l'échographie ou on est fait là? Non, je vais pouvoir la faire là, je vais chercher l'appareil, vous inquiétez pas. Ah, pas de souci, je bouge pas. Ok, je reviens tout de suite vers vous. Pas de souci. Chérie? Oui? 3, 4, Bilaps, Bilaps, oh my Bilaps, quand t'es en CP, CP, il te court après, Bilaps, Bilaps, oh my Bilaps. Oh, elle est trop bien celle-là. Je vais passer le gel, ça va être un attends, peu attends, je t'envoie les paroles d'une autre. Ok. J'ai envie d'envoyer notre fréquence radio à Bilaps. Tout va bien. Tout va bien, ok. Au niveau des poumons, ça a l'air pas trop mal. Ok. Vous connaissez les jamais on a vu? Oui. Jamais ah, vous je n'ai. Vous savez verra. Quoi? Oui. Toute la journée, j'ai cherché cette musique. Je vous jure. Ah, vous avez et vu? Je savais plus ce que c'était en plus. Appelez-moi Providence. La famille dort, tu courir ah, après voilà. les papas. Je sais plus si c'est chat ou rat, mais je crois que c'est rat. Non, ce je crois pas. Plus bizarre. Vous croyez que c'est rat? Non, je crois pas que c'est rat. Chat? Non, je sais plus, j'ai un doute. Mais même depuis ce matin, je l'ai fredonné aussi. La famille dort, tu courir après les rats. Pour moi, c'est rat. Les papas, tortue et la maman, tortue. Where is Gigi? Gigi, don't hurt me. Vous retirez votre point de suture également. Don't comme ça, tout me. Est bon, fait tout aujourd'hui. Gigi. Non, c'est pas mal, c'est qu'il a l'oreillette. C'était rigolo. Ma femme qui chantait les... Hop là. Oh, je vais vous faire un autre pansement, ok? Et vous oui, le retirez vous-même d'ici 2 petits jours. Oui.
je vous laisse vous relever. Oui, messieurs, excusez-moi, docteur. Non, il y a pas de souci, vous êtes retrouvés. Oui, la ressorti la base. Du coup, est-ce que vous fallait un petit pansement? Non, non, pas ça m'impeccable. C'est juste que je pouvais plus sauter, courir et tout ça. Oui, c'est tout ça. Ok, je. Hop. Je sens que ce soir, ça va encore être génial. Je veux pas ce cas-là, oui. Qui m'emmène à 970. Vous laissez vous rappeler, je vous raccompagne. D'accord. Bon, tu peux, il y en attend Miguel qui est à l'hôpital, là, de toute façon. Ça marche. Bah, peut-être que j'y vais bientôt. Je vous suis. On y va. Lynch, je libère salle de consultation. Tiens, intranet, si vous avez pas regardé. Si, on a vu. Je prends. J'ai pas encore vu, c'est qui? C'est Tim qui fait son annonce? Ouais. Je lui ai demandé de les faire rapidement parce que je l'envoie en Europe et bien, la semaine prochaine. Oui, ça marche. Il va être reprogrammé, ça va devenir une machine. Et voilà, je merci beaucoup, docteur. À bientôt, bon courage. Et au rappelez-vous qu'elle la famille. Tu courras après les. Je sais pas si c'est. Écoutez, moi, tu diras, chercher ouais. Et on se retient au courant. Ok, y'a pas de soucis. Passe une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. C'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Oh Gigi, y'a pas moyen hein, Gigi. Tout le monde est sac Gigi. Hannibal, je me l'ai mis en tête. C'est la Aya Cannibal. La Aya, allez, on fait. La Aya Cannibal. Oh Gigi, y'a pas moyen, y'a un Gigi. Ça fait la super red Gigi. Ça me anina cannibale. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille police attraper la main. Non, les papas, bi, la psy, la maman, bi, la psy, les enfants, bi, la psy rend toujours haut. Oh. Mais là-bas, pas ici, parce qu'ils nous attrapent pas. Répondez au nom de Gigi. Le criminel n'arrêtait pas de la quebra. Elle faisait tourner le village. Je l'avais fait, celle-là. Excellent, c'est Gilles Girac. C'est Ginelle Girac. Trois, quatre. Gigi masqué, Gigi masqué. Ohé, ohé, Gigi masqué, Gigi masqué. Ohé, ohé, on braque, ouais. On braque Gigi, ohé, ohé. On braque, on braque, on braque, on braque Gigi. Oui, elle ne veut pas s'arrêter, ohé, ohé. Donner des sacs, des sacs, des sacs, des sacs, des sacs. Oui, il y avait Bilops pas loin qui essayait de nous attraper. Y'avait Bilops pas loin qui essayait de nous attraper. Y'a Bilops. Comment il s'appelle l'autre, les connards avec les crêtés? Canestrom. Ah voilà. Donc y'a Bilops. Et Canestrom. Vas-y, je vais sortir la thune. On les a, Pablo. Du coup, c'est combien? C'est combien? Bah, je sais pas. J'ai. Alors, attends, déjà, je te file ce que j'ai peur que ma femme donne son prix, oui. Je vérifie. De quoi? Et Pablo dit, c'est combien? Ma femme, elle cherche les prix. Moi, j'ai pas. T'as pris le sale chez moi, Kim? Non, j'ai pris que chez moi. Bah, mais moi, j'ai pas. Ça va faire 200 000, ça. J'ai plus rien. Elle préfère la supérette.
Laisse-moi prendre au pire. Les sucettes à la mine, non, c'est ça? Hannibal? Les sucettes à Gigi, peut-être. Ouais. Elle préfère la supérette. C'est juste une question de tempo. T'en veux une autre? Oh, j'ai peur. Vas-y. Oh, let's go. Quand la Ginette donne. Donne! 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 Quand la Ginette sonne, 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 sonne. Quelle file de cinq. Quelle file de cinq. Je le referai pas, moi. Et y'a Bill Ups qui arrive. Rive, rive, rive. Si on était dans une série, ça serait une espèce d'épisode musical. Oui, oh, oui, non. Oui, c'est vrai. Oui. Et dans tout ça, je me change pour faire la supérette, je me change. On pourrait faire un musical, hein. Hannibal, si c'était un épisode, une des séries, des séries d'internet ou de quoi, ça serait l'épisode musical. Comme ce n'est pas une série... C'est un endroit qui ressemble à la Ginette. À sa supérette. La supérette. Il y a des sacs étendus sur la terrasse. Et si joli. On dirait Ginette. Ça faisait longtemps. Pas mal, hein. Elle avait pas dit non. Oh, attention, t'es prêt? J'ai fait double imitation. J'ai peur. La braquée chez Ginette. 5 minutes avec toi. Regardez les sacs tant qu'il y en a. Te parler des Billups qui est toujours pas mort. Mais je m'en fous de dire que les méchants c'est nous. Oh, elle est bien celle-là, putain. Hey, toujours vivant. J'ai mal au ventre. Je suis encore bien rigolé dès la soirée, non? Ah oui. Déjà qu'on était à bout de nerfs avec Ben Talon, là, ça promet. Ouais. Ah ouais, là ouais, je... Waouh, ça va être très très dur, là. En CP, Ben, je te chanterai Where is Bibi. Vas-y. Et puis, ouais, vas-y, let's go. Et pour un peu qu'il entende et qu'il nous dit c'est bon, je m'en vais. C'est bon. Avec un peu de chance, ça marche. Hein. Et oui. Mais je suis sûr, il va devenir fan, il va nous acheter des droits d'auteur. Je pense qu'il va nous demander un CD surtout. C'est pas l'homme qui prend Ginette. C'est des Ginettes qui prend l'homme. Hannibal. J'avais pensé à celle-là. Ouais. C'est pas l'homme qui prend Ginette. C'est Ginette qui prend l'homme. Ah, j'ai bien l'image là. Ah oui, là c'est dégueulasse un peu. Je vois trop les moments où Bill Ups il se retourne dans le siège de Shafter et il fait je te vole à mon équipe. De ouf. Bon, c'est paix. Bah, on attend le blanchiment, non? Ah oui, vas-y, blanchiment. Ah oui, se faire Bill Upser. Non, je crois qu'il la connaît pas. Je pense que tu vas bien aimer. Max souvent se fait bilopser. Ah ouais. Oui, mais c'est parce que tu vois pas la vie du bon côté. Moi j'ai une philosophie de vie. Du coup tu te fais pas bilopser. Et non, je vais pas te chanter, je n'ai qu'une philosophie. C'est bon, accepter Ginette comme je suis. Blanchiment avec les verres demain en début d'après-midi, pas okay. Ce soir. Non, moi j'ai une philosophie de vie différente. Hakuna. La mano. Hakuna, la mano. Hakuna, la mano. Hakuna, la mano. La mano. Hakuna. C'est un mot signifie oui. C'est pas la que fin, non. Que tu vivras ta nuit. Que tu vivras Gigi. Sans aucun souci. Oui, Bill Up Sophie. Oui. Bill Up Sophie. On vit Bill Up. C'est mot signifie que tu vivras Ginette. Tu du tu tu. Et Bill Ups aussi. Philosophie. Hakuna la mano. Hakuna la mano. Hakuna la mano. Hakuna la mano. Hakuna. C'est très jeune et facochère. Oui. Bel organe.
Faut quelqu'un répète. Merci. Le retour. Ah, le retour du P. Ah ouais. Et les spéciales Noël. Ah ouais, oui. C'est oui. Les caverneux, les montagneux. Oui. Bon, 2, 4 et 6 et 7. Et Pablo. Et 1, 2, 3, 4 et 1, et 2, 3, 4 et 1. Where is Bibi? Je l'ai. Bibi, oui. Bibi, Bibi, Bibi. Habibi, oui, Bibi, Bibi, Bibi Labs. C'est Where is Bibi pour Bilops et Bibi Don't Hurt Me. Oui. Vous dans nos pits? Don't hurt me. Oui, Bibi, no more. Ah, j'ai hâte de me faire Bill Upset juste pour lui chanter. Oui, un jour je serai le meilleur braqueur. Je me battrai sans répit. Je chopperai Ginette et Bill Upset pour faire le meilleur combat. Ah, Manon. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Surtout si t'as ma qui conduit, Amano, oui, personne nous arrêtera. Surtout c'est Jim et Mike qui conduit. Oh, attends, j'ai des paroles à t'envoyer. Oui, Gigi. Oui, dis-moi oui. Oh oui, Gigi. Ah, c'est pour Ben ça. Oui, oui. Après, j'aimais bien toute la période des Renault Cabrel. C'est depuis le temps que j'ai patienté devant le comptoir. Tout le temps les sirènes qui chantent au bout du trottoir. Nickel. Quelqu'un a ramené les bilous. Et j'ai plongé vers les grands jours pour que Michael SM un prochain carrefour. Et à Bill Epps qui est pas sérieux. Ouais, mais moi je suis prêt. Bah oui, ouais. Et après, on continue de savoir qui c'est qui a les meilleures chansons. Allez. Mais il y a Emmenez-moi au bout de Ginette. Emmenez-moi au bout des ginettes. Emmenez-moi au pays des ginettes. Il me semble allez-y. Que la Gigi serait moins pénible. On fait deux ou trois? Trois, ça deux. Marche plus. Et comme nous on n'est pas con, Pablo, on commence par laquelle? Vous êtes la plus proche. C'est l'en bas. Franchement. À quoi on a stico? Non. Pas chef pour rien. Non, ce n'était pas la mano qui a fait la superette. Là-haut. Monsieur les oui, oh. Bonjour Ginette. Je n'étais pas la mano. T'as fait les bêtises là-haut. Oui non, ce n'était pas nous, nous. Oui, ce n'était pas nous. Ginette, par contre, faut donner ça quand même. Ça braque. Je te prendrai tes sacs. Où les sacs des Ginette. Je t'ai rencontré du côté du comptoir. Elle m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Qui ça? Les ginettes de minuit. Allez viens, je t'emmène dans ce berrette. Je t'en vais au-dessus de la ginette. Oui, on fait tourner la ginette. Là, les salles, par contre.
dans un petit sac et de super. Elle a regardé la révoltaire. Elle a le regard qui tue. Pablo l'a bouffé la première. On n'a pas revu ses Ginette. Elle est foutue. Il est petit, il est un mousseux, tagalagalak. Elle m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça, qui ça? Mais Gigi de minuit. Ça braque, Ben? Non, c'est les... J'arrive. Ça braque sur Vinewood. Non, c'est Vinewood, ça braque. Y'a plus personne à Villa, on ira nous quand on aura fini à 56. Si, si, j'y suis moi. Ok. Puis sur ma route, oui, j'ai croisé Billups, oui. Avec sa chapter, oui. Sur ma route, la fleca, j'ai la braque, si tu veux des moi. D'accord. Ginette, elle voulait pas témoin. La fleca. La fleca. Et ça braque pour nous, LS. Après, il y a plus connu aussi. Y a Ginette, ouais, Ginette, où t'es? Ginette, Ginette, où t'es? Et j'ai braqué Ginette toute la sainte journée. J'ai pas vu Billups à moi, si oui c'est... Dégueulasse par contre. Dégueulasse mais véridique. Et pour la supérette, ça sera 55 sacs pour nous. Allez, let's go. S'il y a besoin, je peux venir chercher vos sacs au fur et à mesure. Oh bah on est à 40 mètres, on remonte. Ça marche. J'en ai une, je crois. Je me présente, je m'appelle Ginette. Il y a des sirènes, Ben. Il est pas mal. Je voudrais bien faire la supérette. Après, ça marche dans les pubs aussi. Ginette, les braquages au masculin. Les animaux, t'en avais une, je t'écoute. Attention, la voix est très particulière. C'est sur ton chemin, ça coublie et carré. On braque Ginette pour éviter de passer dernier. J'aime beaucoup. Y'a les syndicats qui passent dans 10 minutes avec 340 sacs. Envoie-moi par message combien on leur doit. Ginette! C'est easy. On s'est fait arrêter avec Kim. Déjà, vous avez fait bilopsé. T'as un motard qui se met au milieu, cet enculé. Tu as un motard. Ouais, nickel le bilopsage, allez, let's go. Amenez-moi au bout d'une supérette. Amenez-moi au pays des Ginettes. Il me semble que la misère serait moins pénible à laisser. Amenez-moi la 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 la.
c'est toi qui as le volant. Hein. Ah merde. De toute façon, retour zone, je donne la thune à Jade et après on y retourne au pire. Je trouve ça bizarre qu'il... Ok, on n'avance pas. J'ai accéléré pas. Ah bah ouais, mais c'est pour ça que je me suis dit... J'allais le préciser quand même, parce que... Franchement, si c'était voulu, ça aurait été beau. C'était voulu ? Ah ouais ? D'accord. Mirror, non, ça braque. Où Jade ? J'arrive, il est là. Et maintenant, pour le rendez-vous de Mike, elle s'assoit. C'est dingue ça. C'est bien, c'est pas bien. Bah oui. On se lève tous pour J-Det. Je te donne l'argent. Putain, j'ai envie de manger la net maintenant. Les boss. Normalement, il y a de quoi mettre taxé au Riata. Elle venait comme Jinet. J'étais tranquille, j'étais ténard, j'étais en train de braquer dans le checker. Tantôt d'un coup, la grosse Jinet. Il y a besoin, Jade, tu fais un call radio. Ça marche. De toute façon, là, il y a que les sacs qui vont donner, non ? Ah ouais, il y a que les sacs. Pour info, il y a combien de sacs ? C'est un bill FC. 345, je crois. Mike, toi, tu t'es fait choper par bill ups maintenant, on en est là ? Je sais pas, on a une shafter bleu derrière. Une shafter bleu avec un chauve dedans, donc il y a des sacs. C'est sympa, bon ! On a beaucoup de factures, non ? N'hésite pas à chanter les sirènes du LLSPD. Moi c'est un permis en moins, let's go. Eh ben nickel. Comment ça, carrément tous les permis? J'avais 4 points, et normalement ils enlèvent 6 à chaque fois je crois. Ces soirées là. On braque Jinette comme la première fois. Les bileps ne les comprenaient pas. On aime tous ces soirées-là. C'est ça. Il y avait Jinette qui était contente qu'on soit là. Ouais, ouais. Encore. Comme quoi. Quoi. Bileps n'était pas content qu'on v'là. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bileps a pris. Permis de ma femme. On n'entend plus Mike, ça pue qu'il s'est fait bilepser. Oh, il a croisé, il n'y a plus personne derrière. On a caca. On a une grosse diarrhée là. Vous avez caca? C'est caca là. Et c'est caca. Il a chopé la gastrube, la fille. La petite gastro-entérite des familles. Bonjour Jeanette et Braqueta, sœur, tout à l'heure. Oui, oui, tout à l'heure. Donne-moi. Donne-moi tout tes sacs. Oh Jeanette. Oh Jeanette. Ouais, ouais. Comment ça? Tu n'as plus trop de sacs. Donne-moi tout de suite les sacs, Jeanette. S'il te plaît. Jeanette. Si tu savais tous les mal que l'on s'est fait. Les sirènes assez lents, mais visiblement c'est pas pour nous. Oh oui, ça va pas. C'est scellé.
Écoute, Milux ne traîne pas. Il faut lui dire Milux. Il y a quelqu'un pour toi. Ça marche mieux si tu dis, écoutez, Ginette est près de toi. Il faut lui dire, Ginette, c'est quelqu'un pour quoi? Allô, c'est encore le monsieur de la dernière fois, le monsieur Bileps? Les téléphones! Je me présente, je m'appelle Ginette. Tous les jours, je bosse en supérette, supérette. Alors celle-ci, elle va être risquée, mais... On aime les risques. Vraiment. L'amour du risque. Je n'attends ni Jennifer. Bileps et Pina, Ginette. Ils sont partis superettes. Bonjour. Ginette, c'est encore moi. Donne-moi les sacs. Ginette, où ça va chier? Partir un jour en CP et se faire Bileps et se retourner. Ne rien regretter. Pensez à demain braquer. Kim. Partir un jour en CP. C'est les syndicats, ça? Oula ou les caissiers, ça c'est les. Les caisses, j'arrive. C'est les. Les caisses sont scellées. Faut pas regretter. Demi-tour le type derrière. Hein? Le flic a fait demi-tour. Il peut faire autant de demi-tours qu'il veut, c'est un cul. Alors, je sais pas. Ils ont appris à conduire ici, enfin à piloter, mais. Ramenez Bileps à la maison. Allez, Ginette, allez. Touchez la supérette à la voisine. Merde. C'est là que je voulais aller, moi. C'est la Ginette. Ginette partie. Tanka des sakés. C'est pas fini? Toi qui voulais toucher. Toucher Ginette à la voisine. Tu. Oh. Hé, ouais. Nous nous disons toutes les questions scellées, bordel de merde. Ah, on a eu ça toute l'après-midi, Miguel. Cette soirée avec les deux permis et l'amende, ça m'a coûté 10 000 balles. Aïe. C'est allé. Parce que... Hannibal, on a fait une heure non, et demie. Non, je le réattends, Hannibal, c'est le tien. Je me suis trompé avec celui d'Alan. Il faudrait attendre devant, mais. Ouais, t'inquiète. C'est vide, les gars. Les Ginettes de la plage, ah ou cha cha cha.
Est-ce que tu braques pour les vacances? Moi je me fais les mêmes supérettes. Marre de cette ginette. T'as c'est tout scellé. Je veux juste éviter le bilepsé. Nouvelle version. Prêt? Un jour je serai les meilleurs braqueurs. Je braquerai sans répit. Pim pim pim. Je ferai tout pour être les meilleurs. Et dépouiller Gigi. Superette, oui, braqueur, raquel et tout c'est. Superette, faut braquer. Superette, rien ne nous arrêtera. Sauf peut-être Billups par là-bas. Donne-moi ton corps, Ginette. Sac, Ginette. Vous voyez pas que je suis occupé, madame? C'est vrai. Je vous embêtez pas, non? La prochaine fois! Bon, Ginette, ça suffit maintenant, tu donnes! Pas pourquoi je le sentais. Fais-moi ça! Donne tout! Mais c'est approché trop près, c'est ça? Donne tout, Ginette, donne tout! Mais non, mais c'est normal, j'aimerais que les supérettes, les gens qui rentrent comme ça. Cher! C'est qui la voiture? Personne. C'est la dame. Ouais, puis, vu comment elle est garée, ben, je pense qu'il a dû beaucoup neiger. Et elle a pas dû beaucoup bouger la voiture. Tu m'étonnes. Bon bah go faire celle à côté du Belize Nord hein. Oui. Il suffira d'une supérette. Merde, j'ai dit ça, c'est pété. Bah j'en ai une mais tout le monde va me détester. Vas-y. Vas-y. J'y lance. La Ginette tout 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 tout. La Ginette tout 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 tout. La Ginette tout 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 tout. La Ginette. La Ginette. Kim, t'as presque fini. Les bilabs du 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 du, les bilabs du 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 du, les bilabs. Les bilabs. Putain, c'est l'enfer. Je mets Ginette devant, je mets Ginette derrière, je mets Ginette devant, j'ai fait des tout petits ronds. Oula, Bambi. On traverse pas comme ça, sinon ça fait du pâté. Bah, ouais. Mec, il a une mode variante boss. Je mets Billups devant. Je mets Arkham derrière. Je mets mes skis sur le côté. Je mets tout le monde dans les sacs. J'ai noie tout le monde dans les lacs. Et je suis tout content. J'aimerais aussi être un commercial d'énergie drink et de faire la tournée des Ginettes. On approvisionne, c'est bien. On voit que, par contre, Pablo n'a pas encore fait des chansons sur Ginette.
vous avez toutes faites. Puis vous chantez si bien aussi. La super télé, la super télé. Oh ouais, oh ouais. Allez. Tout le monde est en mode scellé ? On sent des bénises, non ? Ça braque Black Cat. Vous avez des chances, nous on est je sais pas combien avec Pablo et pas moyen. Mon dieu, Ginette, c'est un braquage, bordel de merde! Donne les saquets. Tout de suite. Dépêche-toi. Donne ces putains de sacs, Ginette. Por favor. Non, on a décidé de se rajouter des petits malus. Ouais, nous aussi, Migoli tire dans toute la supérette. Tu essaies de lui faire peur pour être sûr qu'elle donne les saquets. Nous on fait le plein devant la supérette. Et non. Nous on a toujours fait ça, il y en a un qui fait les pleins pendant que l'autre commence à braquer. Oh Black Cat, y'a pas de station essence. Il se peut que j'ai oublié de faire le plein avant de braquer, du coup je suis rempli au bidon. Ça me rappelle la fois où t'avais pas d'antibiotiques et t'es descendu de la voiture pour m'en demander. Oui. Et pas juste au début, au milieu. Ah, ça braque, non ? Bien pimenté les supérettes un peu. Hein. C'est qui ? On braque les braqueurs ? Ouais, ça pue, hein, on s'est fait... Tu veux vraiment ? La dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est pas bien passé ? J'ai pas eu de discussion. Ouais, la dernière fois, ça a pris une tête. Je tiens pas à ma tête, je t'avoue. Et... Non, les médecins disent que j'ai pas pris une tête, j'ai pris un poumon. Un poumon, une pominucée. D'habitude, c'est moi qui les prends, les poumons. On peut braquer celles qui sont en train de se faire au niveau du Black Cat, si tu veux. Mais c'est à nous. Bah oui, justement. C'est débile. Bah c'est ce qui est le drôle. Ah oui. Mets ta cagoule, mets ta cagoule. Si une Ginette te reconnaît, c'est vrai les boules. N'est-ce pas, Hannibal ? Pourquoi vous dites ça ? Je me sens pas du tout concerné par cette histoire. Ouais ou pas. C'est un braquage. C'est un braquage. Donne-moi tes sacs. Tout de suite. J'étais en train d'écrire un mail. Quoi? Il est où Mike? Mike est dehors.
Oui. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mike, il a chiculoté. À l'intérieur, j'ai Chewbacca qui fait des mots. On comprend pas. Et j'ai dit, tu donnes les sacs, il fait quoi? Nickel, c'est bien Chewbacca. C'est un bon mouk-mouk. Allez, bisous, à bientôt. À plus, boss. Nickel, on a braqué Chewbacca, ça s'est très bien passé. Bon, on va à Little Seoul, non? Ouais. Moi, je vais aller au Bénise après. Ouais, nickel. À bientôt. Restez comme vous êtes. Ta-la-ta-ta-ta. Braqué comme vous êtes. Braqué comme vous êtes. C'est la Ginette qui redémarre. En avant les voyageurs. Bonjour, bonjour. La Ginette part toujours à l'heure. Ginette, ceci est un putain de braquage. En avant les voyageurs. Oui, Ginette part toujours à l'heure. Allez, Ginette. Donne les sacs. Donne les sacs. Braqué comme jamais. Ouais. Braqué comme jamais. Braqué comme jamais. Hey. Ginette Billups, Ginette Billups, braqué comme jamais. Oh, Ginette, donne les sacs. S'il te plaît, c'est vraiment les bordels des sacs en ce moment. J'aimerais avoir la possibilité que tout se passe bien. Putain de merde, des crottes, des bites, des chiottes, des fait chier, des merdes. C'est, ah. C'est que ça se passe bien. Hein? Ça se passe bien. Et ça se passe bien? Ouais, tout se passe bien. Mais pas trop. Ah ouais, ça fait pas beaucoup de sacs. Après, j'ai regardé tout à l'heure, on était à combien d'avance? Beaucoup. On a 600 000 points. 700 000 d'avance quasiment. Sur les verts. Ouais, sur c'est vert et deuxième. C'est vert et deuxième. Oui, les ballas ils disent qu'ils ont galère, mais ils nous doivent toujours les sacs et ils excusent. Ouais. Bah ouais, non mais ils ont essayé de me la mettre en fait, si tu veux, parce que ils nous ont dit ça, je leur ai dit bah écoute, c'est quoi? Tu fais le max et on discute du business après. Et le soir même, ils mettent 200 000 points. Ouais. Donc je l'ai rappelé aujourd'hui, je fais écoute, tu te fous de ma gueule là. Il fait mais comment ça, machin. Je fais si, tu te fous de ma gueule. Tu nous dis que tu peux pas faire Ginette et là tu nous mets 200 000 points dans ton truc. Il y a un truc. Mais les États, ils bossent pas. Ouais, non, les États, c'est mort. Ils sont même les Vagos et... ont réussi à faire 2 millions. Mais les Lost, t'es un peu dans la sauce. Entendu. Et je croyais que les Ballast allaient faire que les Lost, ils bossent plus. Bah écoute. Beaucoup de mots, peu d'actions. Wilfried, Coff 10 sub, merci à toi, vous êtes des malades ce soir. Merci à Wilfried, merci à tous ce gros sub, notamment Bass 88, LCP Ragnarok, merci à toi, merci à Mami Gucci, merci à Phoenix, merci à Lavi, merci à Gasmi. Bonjour madame, je suis là pour un braquage. C'est pour avoir des sacs. Cher employé des zombie cars, ça sert à rien d'appeler les polices. Vous en faites pas, c'est pas le but. Nickel. Mais c'est pas pour nous. C'est bon, ça prend. Chier. Pas moyen. Les informatifs, ils viennent de passer. Ça braque en 73, 55. Ils viennent de passer maintenant? Ah ouais, il y a genre 20 secondes. Chier. Bon bah bon courage, Jordi. A bientôt. Merci. Au revoir. Vas-y. Celle-là a été braquée il y a 3 minutes. Allez, c'est les caisses, c'est les. Elle ne veut pas donner Ginette, s'il te plaît. Laisse-moi ce coup de oui, s'il te plaît. Allez, c'est les caisses, c'est les. Elle ne veut pas donner Ginette, s'il te plaît. Laisse-moi ce coup de oui, s'il te plaît. Billups, tourne-toi, tourne-toi. Atom, qu'on voit 25 subs. Tromlog, le frérot, vous avez craqué ce soir. Vous êtes des malades, merci à vous. Trom, qu'on voit 10 subs, frérot, je t'embrasse fort. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir en ce moment. Je t'embrasse très fort, merci à toi, merci à Tom pour les 25 subs. Vous êtes des fous. Y'a pas moyen. On a pété toutes les super.
Tout pété. Trop efficace. Tout pété. Baron ! Pour les 5 subs Atom, pour les 25, comme je disais, vous êtes des malades. Des malades. On va arriver aux 2000 subs. Hein. Les 2000. Ils vont la faire. Si chaque personne paye un sub, alors c'est un test nominal. Stop chanter aussi. Ah bah non. Bah non, on chante pour l'instant. 2500 subs, on verra pour arrêter de chanter. Ça va être dur. Et à 2501 subs, on pourra rechanter. C'est ça qui est beau. Pauline, merci à toi, merci à Razi. Merci Viv pour les 1500 bits, merci à toi. Là, j'ai plus d'idées. Ah bon, mon nom. Après, le point positif de l'histoire, c'est que du coup, il n'y a pas que nous qui. Tu vois. Ah bah oui, pas que nous qui galérons, mais. On est d'accord. Je pense que d'ici jeudi prochain, ça va pas beaucoup évoluer les points actuels là. Et par-ci par-là, mais pas plus. Du coup, on a repris de la dope à Ice tout à l'heure. Il nous a livré pas mal, 1000, à peu près 1000 de chaque environ. Mmh. Il serait les seuls à bosser. Il m'a demandé pour Taylor si c'était toujours d'actualité, je lui ai dit que non. Ah oui, c'est vrai. Il aura rappelé Youf à l'occasion aussi. Ça va, ok. Je sais même pas où on est. Pablo, on est où? On est où, Pablo? À force de tourner, je sais plus. Point E. Point E. Oh, et on braque là, ça braque. Un flic. Déjà? Apparemment. Mais comment ça, apparemment? Sérieusement? Bah, ah, là, oui. Ils sont là. Ah oui. Oui. Marche arrière, voilà, impeccable, discute, on s'est arrêté de dire bonjour, non. Au revoir. Bon bah, 3 sacs et demi, ils sont vifs, hein. On a 4 sacs. Point E, ça a enfin braqué, mais bon. Et pour Bill, ça allait aller, et voilà, on les a perdus, ils ont tapé le camion. Bon, les nôtres, ils ont été nuls, ils se sont tout seuls tambourinés dans un camion, ces abrutis. Super. Et pour Bill-up, ça allait aller. Comme d'habitude, non? Ah bah là, il y avait un virage à prendre. Ils ont tout bouffé, ces deux. Gabs trop, le frérot, comment ça va, Gabs? Bien sûr, si tu restais là, jamais ils nous voient. T'es bloqué sur une pierre, sérieusement? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, la première. T'es bloqué ou pas? Non, non. Oui, oh, d'accord. Bah attends. La deuxième, je crois qu'elle appelle les bénis. Je crois que la deuxième, elle ou les zombies.
Technique des Pablo, maintenant il s'arrête sur les bas-côtés, il laisse passer, il les voit pas. C'est ce qu'on a fait hier, ça a marché du feu de Dieu. Comme dirait Jim, leur vision est basée sur le mouvement. C'est des T-Rex en fait. C'est pas un truc des G6 ça. Mirror, non, ah. Elle a été faite déjà pas longtemps ou pas? Ne braquez pas, elle a été scellée. Les deux à Mirror étaient scellés. Une équipe au nord là ou pas? Ouais, on y est nous. Et ça braque en 56. C'est l'instant qu'on goûte la voiture. On l'appelle les kangourous. Quel kangourou? Bonjour Ginette, et c'est pour savoir si c'est possible, il est... S'il vous plaît. 22. Non mais sérieusement, un putain des sacs! Pas plus des 1 à ces rythmes-là, on a fait par combien? Non mais on n'est pas là! On est... Non mais sérieusement, ça braque, j'ai fait un putain des sacs et voilà. Putain, mais c'est pas vrai. Je crois que j'ai un problème, Ginette, elle me... Ah c'est bon, elle m'a donné les sacs à 600 mètres, Ginette. Vas-y, c'est trop. Bon, elle sent que tu passes en bon moment si tu te fais arrêter. Et la contresens en face, là. Et c'est surtout qu'on trouve enfin un truc qui c'est bon, un braque, et direct 22. Ouais, terrible. Hier, ils nous ont fait un truc comme ça avec Mike. On était en train de braquer. On fait un sac. Il y a la shafter qui passe devant. Juste, ils mettent un coup de gyro. Je le sors par réflexe. Et en fait, il se barre. Ah, ils arrivent à suivre. Oui, doucement, mais il suivait. J'ai combien de sacs? 4. 5. On est riche. 4 des tout à l'heure et un des là. Je pense que tu peux te cacher sur les côtés. Ouais. Ça devrait passer. On va faire ça. Merci, c'est tard pour le sub. Bienvenue à toi, 7ème mois parmi nous, c'est cool. Merci à. Nickel ici. Eh, franchement. Bah, vous le faire exprès, j'y serais pas. Merci à Tom qui vient offrir 2 subs à la communauté. Merci à Adamax pour le resub 2ème mois parmi nous. Merci à Piotr, 38ème mois. J'en profite un peu pour vous remercier dès que je le peux. Merci à Hugo qui vient offrir un sub gift. Merci à Oddskate pour les 5 subs offerts. Merci à Avanae pour les 100 bits. Merci à Sirius54 pour le sub offert. Merci à vous. Il cherche, mais il ne trouve pas. Moi je cherche, mais je trouverai. C'était 4x4 qui me manque tant. Je pense que tu peux repartir. Et encore, on n'a pas pris les Rebla. Porte-clé, bienvenue à toi.
On va retenter dans le sud, hein. De toute façon, là, on va passer planqué, on a que 5. Bah, oh, non, ça sert à rien. Hein. Artax, bienvenue à toi, deuxième mois. Allez, Rax, merci à toi, deuxième mois aussi. Quand je peux, je vous lis. Quand je peux. Hannibal. Oui. Ah, qu'est-ce que sont ceux-les? Les caissettes chez Ginette. Chante les crimis. Chante les crimis. Ah, qu'est-ce que sont ceux-les? Les caisses chez Ginette. Chante les crimis entre des CPD là-bas. Out, out, c'est Ginette qui appelle la police. Ginette, Ginette. 4 quarts, merci à toi, frérot. Comme un fou, comme un soldat, comme un braqueur du cinéma. Tu fais une très beau et... Non, tu es très beau. Merci, boss. C'est bientôt Noël. Ah, Mike, ça va? Oui, ça va. Vous arrivez un peu à faire des ginettes ou pas? Quelques-unes, ouais. Je vais pas tarder à aller me coucher, moi. On ferait une triplette parce qu'on est des fous. Bonjour Ginette. C'est pour la caisse, allez, allez. Oui, Ginette, c'est pour la caisse, allez, allez. S'il te plaît. Oui, Ginette, allez, la caisse, allez. Donnez-moi la caisse où j'ai... casse tout. Très bien. Donne-moi les caisses où je tire. Ginette! J'abat ton ginet, ta vodka. Dépêche, donne les caisses. Donne les caisses. Chier. C'est celle-là. Il y avait pas, j'ai vu une affiche, il n'y avait pas une soirée au Black Cat, c'était pas les 1 an du Black Cat? Si, il y a un concert, je sais pas quoi, de 21h à je sais pas quelle heure. Ça braque, Bénise Nord. C'est qui monte direction 56. Madame Ginette, s'il vous plaît. Et j'aimerais beaucoup vous braquer. Mais pour cela, j'ai besoin que vous donniez des sakés. Sinon, ça va être compliqué. 22, mais j'ai pas commencé. Mais j'ai rien braqué. Mais j'ai rien braqué. Attends, arrête-toi. On a rien braqué. Faut arrêter les conneries. On a braqué que dalle. Eh ben descendez, simplement, on va fouiller tout ça, c'est pas un non, parce que c'est devenu un état totalitaire où vous êtes en train de fouiller tout ce qui bouge. Vous êtes devenus des fous furieux et des cralala, des cralalaires. Surtout Bileps. Surtout
to Bill Ups. Ok, c'est bon, noté, parfait. Vous voulez vraiment pas que je vous contrôle du coup? Mais on n'a rien fait, mais à chaque fois ça va être. C'est vous, tout ça parce que vous êtes. Oui, on est. Tout ça. Blanc et noir. Nous, tout ça parce qu'on est blanc. Parce que vous êtes blanc. C'est du racisme. Ah oui. C'est vrai, vous avez raison. C'est des choses qui peuvent se produire. J'attends la deuxième. Parlez-moi un peu de votre enfance, s'il vous plaît. Non, vous attendez les collègues? Non, on va y aller quand même, parce qu'à un moment donné... Mais je l'ai même pas braqué, cette supérette. La police tente des discussions avec nous, mais bon, on n'avait rien fait. Bon, par contre, je m'arrête pas. Il m'a dit juste, je vous contrôle, on n'en parlait plus. Mais j'ai quand même des sacs et un 9mm. Un gars du Park Rangers passe par au-dessus, freine, et prend à gauche. Non, non, pas tout droit, ça va pas. Tu loupes ton coup, on se retrouve à l'hôpital. Voilà, là tu prends les trafics, tranquillou. Et 100% et il arrive sur la route à gauche. Par contre, il a peut-être pris la plaque, non? Bon, écoute, hein. Au pire, tu seras appelé. Enfin, ça fait un moment qu'il nous appelle plus. Oui. Oh, Ginette. Y'a pas moyen, Ginette. Ça fait la balle avec Ginette. Et quand t'avais les Ginettes. Donne-moi ta putain de. Donne-moi tout ce que t'as sur toi. Donne-moi ton corps, baby. Donne-moi ta Ginette. Donne-moi ton baby. Je veux un animal like you. C'est bon, c'est tout ce que j'ai fait. T'es tout seul? Bah non, Mike. Ah, regarde, y avait un complice! Les fameux petits loulous. Ça va, petit loulou? Ça va, ça va. Nous, maintenant, ils viennent nous contrôler quand on braque même pas. Juste, on était devant, ils nous ont. Oui, bonjour, c'est la police. Oui, il nous a fait la même. Mets-toi dans l'arrière, là, on fait la doublette, là. Il y en a un qui braque, vous allez vous barrer, comme ça, quand le Park Rangers, il va rien comprendre. Ok. Il est où le Park Rangers? Il tourne. Cache-toi, derrière, dans la ruelle derrière. Pablo, si ça arrive, tu dis, je sors de quoi? Vas-y. On refait les coups des jumeaux. Des jumeaux ça maléfiques. Braque. Ça braque? Non, mais il faut... Ça braque ou pas? Non, ça braque pas pour le moment. Merde. Attends, je vais te dire. Ginette, arrête des conneries, là! Donne! Non, putain, c'est les... Donne les sacs! S'il te plaît. On voudrait faire les coups des jumeaux maléfiques. Allez Gigi, s'il te plaît. Allez Gigi. Gigi. Putain. Si tu savais. Ça fait des plombes là. Ça fait des plombes Gigi. On est là, on chante, on discute. Ça fait... Depuis le temps que j'ai patiente au bout du comptoir, Gigi. J'entends que ça sonne et ça pleure. Encore l'autre là, il va gueuler. On aurait dit la voix de Holden. Et qui? Les mecs qui essayaient de nous contrôler, ouais, il avait la même voix que Holden. Après, j'ai pas vu les mecs, alors je peux pas te dire qui c'est, mais il avait un peu la voix de Holden. Maintenant. Est-ce qu'il avait la voix de Holden en PLS? Non, la voix de Holden en mode tranquillou bilou. C'est... Oui, qu'on lui parle de notre enfance. Oui. Il voulait qu'on lui parle de nous, plus petits et tout, comment ça passe. Ginette, en argent, putain de merde! Ah. Et je vais te niquer tous les champagnes. Dépêche. Alors, c'est peut-être pas Ginette qui a fait sonner, mais c'est peut-être le voisin du dessus. Oui, non, ouais. Ça braque en plus. Tu braques là? Bah oui, ça braque. Nickel. Bon bah si tu braques, parce que moi je lui ai demandé gentiment aussi. Bon, alors pour information, et Hannibal est caché derrière les comptoirs, on fait les coups des triplettes maléfiques. Donc si la police arrive, moi je pars dans les Novak, je pars. Mike, tu te replaces juste derrière au cas où. Et on fait en fait les doubles voitures. Nous, on va être HS un petit moment, hein, avec Kim. Par contre, les bastos, c'était pas obligé, boss. Chut, toi bien. Pourquoi vous êtes indisponible? On a eu un accident. J'ai vu la mort de près. Elle t'a passé bonjour. Ah, je pense que même elle m'a même tapé la bise. Hein. Et d'ailleurs, elle a laissé un message et s'excuse, Pablo. Ah ouais, nickel alors, parce que la dernière fois était pas très cool. Ouais, c'est dans ce seul moment où on prévoit un putain des plans que la police ne se pointe pas.
Tiens, bah regarde là, il arrive le Park Rangers. 22 Park Rangers. Park Rangers. Oh merde! Arrête, mais comment je monte? Attends, j'ai un problème! Oh là là! Barre-toi vite, barre-toi! Non, ah non, on n'était pas en train de faire une supérette! Attends, ils vont repasser devant. Je les attends. Je répète, bon, Mémé est dans les fours. Je répète, Mike. Mémé est dans les fours. Tu peux te placer pour ton compatriote, t'es poilu. Lui a donné tes 5 sacs ou pas? Hein? Lui a donné tes 5 sacs ou pas? Non. Ah, il fait demi-tour, non? Ah non, il arrive. Ah non, il s'est planté. Il est un peu lent. Un petit peu, tu vois. On est obligé de l'attendre parce qu'il s'est planté à chaque poteau, les Park Rangers. C'est pas un homme de la ville. Un homme de la campagne. Et je suis à 150 quoi. Bah oui. Oh là là, oh là là, oh là là, ouais, oh là là. Il part avec les poteaux. Park Rangers a pas été mis au courant des super jurys en courant dans la ville. C'est nickel, Hannibal, avec nos fameux. Tu veux qu'on s'arrête pour lui dire des. Il faut qu'il fasse attention quand il débraye, il va nous péter l'embrayage. On va l'amener pour un Y. Ralenti, on lui explique. Gentiment. Il est tout seul. Il faut faire attention quand vous débrayez, vous allez péter l'embrayage. Ouais, ben arrêtez-vous, on en discute. On sent que les 4x4 est tout neuf. Faites attention au moment du débrayage, quand vous passez la vitesse. Les doubles débrayés, ça se fait pas avec un 4x4. N'allez pas casser les matériels publics et on paye des impôts pour ça. Non, vous inquiétez pas pour ça. Ah, ben si, arrêtez-vous, on en discute. Départ arrêté. 3, 2, 1, maintenant. C'est encore une fois le Nova. Elle est Nova Calais, allez. On a expliqué au Park Ranger qu'il faut pas faire des doubles débrayés avec son 4x4, c'est pas bon pour l'embrayager. On l'a perdu là, non? Je crois qu'il arrive. Ah, il arrive. Ah, on aurait dû lui expliquer qu'il faut pas rester en première. Je suis sûr que tu peux te mettre sur le côté tranquille ou bio. Ça passe, non? Tu nous fais les coups des juste sur le côté? Là, juste là. Attends, je vais tenter. Plus loin, il y a des buissons. Ça va être drôle, là à droite, normalement. Ils sont cons, ils sont vraiment débiles. Attends, normalement il y a un copain qui va pas tarder derrière. Attention, le deuxième. Normalement il y en a toujours un deuxième. Avec Pablo, tu sais quoi, il prend un peu d'avance et on se cache sur les côtés. Nickel! Bon bah je crois qu'on est tout seul là. On va lancer les vagues ou pas? Non, là c'est encore. Bon bah on va attendre celles qui sont plus loin. Hein. Je vais réparer, je vais faire Michel. Il a tracé lui, hein. Il s'est dit on est parti loin quoi. Ça avait l'air d'être un homme en colère un peu, non? C'est un mec un peu frustré. Tu penses que c'est les fameux mal baisés? Ouais, y a moyen, hein. C'est pour avoir les sacs s'il vous plaît. Y'a moyen. Ginette, les sacs s'il vous plaît. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ginette, elle veut pas. Elle me dit non, j'ai pas des sacs, c'est la merde. Bon, on les refait tous. Hein. Ah, tant qu'on est là. Nous sommes à 3 869 800 points. Et les verts derrière sont à 3 207 000. Félicitations! Let's go!
Déjà, j'essaye de trouver une putain de supérette qui qu'on peut marquer. Bonjour, Ginette. Peut-être de l'autoroute, non, les trois là. Bah là, on est sur celle des. On a continué la folie qu'on faisait. Ouais, on fait les trois de gauche. En fait, tu te mets quand même à te rendre compte que t'as moyen de faire quand même un paquet de pognon par semaine rien qu'avec les supérettes. Ah, c'est clair. M'emmener à faire la course avec les vagos sur les sup. Il y a la shafter au bénis. Il y a les flics. Hannibal est à la police. Le petit Hannibal est attendu dans la... Bonjour monsieur, bonsoir. Au lieu de parler avec les civils, il est à la police. Bill Ups avec la shafter au bénis. Ça braque. Enfin. Vous ne risquez pas votre vie, ne vous inquiétez pas. C'est bien pris, y a pas de souci. N'appelez pas la police, c'est des vendus. Non, y a pas de souci. C'est d'un état totalitaire, un état qui nous prend nos droits. J'ai pas encore vu toutes les modifications de l'homme, mais je veux bien vous croire sur certains points. Vous ne pouvez plus pisser les gouvernements derrière vous. Vous savez que les gouvernements sont devenus juges, jurés, bourreaux, commissaires des polices, procureurs des polices, et il fait tout. C'est devenu n'importe quoi, et personne ne s'est soulevé. Vous avez vu, trois pauvres supérettes sont braquées. Est-ce que Ginette, elle a l'air, elle s'en fout, elle a les assurances. Et elle est sereine. Je la braque gentiment, mais elle s'en bat les couilles. Ça changera pas sa vie, alors que moi, ça changeait tout. Pour mes enfants, pour Noël, je pourrais acheter les derniers petits Goldorak. Ah, en plus, c'est Noël, c'est bientôt. Vous avez moins de 10 jours maintenant. C'est pour ça, nous faisons un peu d'avance afin que pour Noël, les enfants soient gâtés. Bah, vous avez bien raison. Bref, bon, en tout cas, vous n'y risquez rien. Bah, y'a pas de soucis, on est derrière en train de vendre. Bon, pas de soucis. Si la police arrive, je vous défends, ne vous inquiétez pas. Je prends note. C'est la chenille qui redémarre en voyant les voyageurs. Et la chenille part toujours à l'heure. Prends donc les sacs en pagaille. Oh, désolé, je me suis fait surprendre. Et bonsoir. Bonsoir. Pablo ? Ouais. On est quand même rendu là, c'est que dans les plus grandes, tu vois, des calmes, les gens nous disent bonjour normalement. C'est la police qui passe vraiment pour les gens un peu et... Si la police passe, la vitre, vous dites que c'est moi. Un souci. Ouais. Oui. J'avais pas vu que vous aviez un masque en fait, derrière. Ah, vous avez vu ? On s'est fait exprès, on croirait que c'est un pique-nique. J'étais déçu en fait. On croirait que c'est un putain des mecs du Nord qui est son père et sa mère et son 6 frères et sœurs. Ah ça, après je suis pas là pour juger, mais non, c'est possible. Voilà. Bon, ça va, ça va bien pour vous ? Vous êtes quelle entreprise ? SHMS. SHMS, ça va, tout roule bien pour vous ? Pas de problème avec les gangs et tout ça ? Pas de soucis. Non. Bon, impeccable, pas de soucis. Vous me travaillez bien. Merci à vous aussi, beau courage. Merci. Tu vois, c'est la dureté du monde. On en est là. Je pense que celle-ci sera tranquille. Peut-être que oui, peut-être que non. La police doit être folle. Oui, je comprends pas. Les civils nous appellent pas. Mais oui, mais en même temps, vous êtes débiles. Tout le monde vous déteste, les civils inclus. Les civils, ils viennent plus souvent nous voir nous pour trouver des solutions que vous. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est moi. Mm-hmm.
C'est vrai que je comprends pas, j'ai appris qu'il y a un groupe et des braqueurs, ils enlèvent les flûtes et des gens, c'est débile. Ouais, ouais, c'est apparemment. J'ai reçu un appel pour ça, je leur ai dit que c'était pas nous, parce que sinon nous on l'aurait dit. Je sais qui c'est, parce que j'en ai discuté, mais c'est dommage, je comprends pas l'idée. C'est comment t'as tiré les foudres des gens, parce que les gens veulent savoir que c'est eux. Et s'ils savent que c'est eux, après plus personne ils voudra les voir. C'est débile, faut pas enlever les pantalons des gens, c'est pas fait. Y a pas de... Au pire, tu payes quelqu'un, tu dis tu es mon otage, chose comme ça, tu sais, tu veux t'en sortir, mais fais quelque chose de propre et de carré. C'est pas... Je trouve pas ça très... Bon. Il va se faire chier. Hein. Oh, j'ai plus de place. Fin. Ok. J'ai 59 sacs. On va rentrer à la villa tranquillou. Ça marche. Mais en vrai, j'ai pas compris l'idée des. Des pantalons, moi non plus. Il y a rien de rigolo, c'est. Ah non, non. En fait, rien qui fait rigoler. Au pire, tu fais courir quelqu'un, chanter quelqu'un parce que t'as une arme, mais enlever les pantalons, c'est juste dégradant et. Ok, je comprends pas les vers. J'ai eu Jouf qui me dit, lui, ça l'éclatait. Ça le fait rigoler avec ces gars. Moi, ouais, j'ai dit juste que. Été... Tu sais que c'est le meilleur moyen de se taper l'intégralité des patrons de la ville à ton cul. Bah, Parnas m'a appelé. C'est débile, je comprends pas. Il m'a dit qu'il faisait tourner l'info que s'il découvrait que qui était le groupe qui faisait ça, il fermerait les portes de toutes les entreprises. Et bah moi je suis sûr, c'est pas moi donc. C'est pas quelque chose de malin, c'est pas du ouf d'être aussi con. Ouais. Ce qui entre. En fait, à partir du moment, ce qui est intéressant, c'est que tu laisses continuer les civils les bosser. Tu vois, c'est une bonne ambiance, celui qui te pocave et tu les défonces, mais les autres tu les laisses bosser. Ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance, les mecs ça les fait rigoler. Tu leur enlèves leur fut. Non, tu les perds. Ah oui, mais clairement. Ils viendront plus bosser, derrière Ginette elle donnera plus rien. Ça se passe votre contrôle, Mike Hannibal ? Bonne nuit, j'attends. Oh, apparemment. Ça la garde avait. Ils veulent les fouiller. Bonne nuit, les gars. Ils veulent les fouiller, mais c'était devant la sup, sauf qu'ils ont 40 sacs sur eux. Et voilà. Faut aller chercher, non ? Ouais, bah. Parfait. Ils sont où ? On va aller les chercher. Ah, je sais pas où est leur contrôle. Mike, Hannibal, essayez de nous donner l'information sur où est votre contrôle. Bon, je l'ai, là, je l'ai. Et... On est à 6 km 5. C'est la suite de l'autoroute. Ah ouais, putain. C'est la suite de l'autoroute. On va aller chercher. Après, il doit avoir les identités déjà. Oh, ça, ouais. Des problèmes. Mais on va se rapprocher quand même. C'est laquelle ? Je sais pas. J'ai pas affiché. J'ai mis le point, mais j'ai pas affiché le. J'ai pas les points. Ah, 30-51. Sont 30-51, ok là. Et quoi, c'est, on m'a dit l'autoroute point E. Ouais. Miguel, on suit derrière nous avec Kim. Bah allez, on va aller voir au moins ce que ça donne. C'est en 30-51. C'est les points E. Ok. Après, s'ils ont déjà donné les identités, c'est baisé, mais... Je sais pas. Après, pour 45, on s'en... On n'est pas armé par contre. Au kilomètre. Mike avait des... Vu que Tim part en Europe quelque temps,
Mike avait du monde à me proposer pour remplacer, il y en avait deux, je lui dis qu'il gère, c'est lui le DRH. Il y a des bons poulains, il sait qui prend qui. Oh, clairement. Vous entendez toujours la radio, c'est lui qui a laissé ça, qui montera dans la voiture. Il rentrera dans la voiture et on se barrera. Sauf s'ils ont l'identité, c'est débile. Ouais, sauf s'ils ont pris votre identité. Mec, dis-moi en message s'ils ont pris l'identité, oui ou non. C'est pas la voiture de Mike, ça? Ah non. On va lui faire de l'essence, surtout. On va prendre de l'essence là-bas? Ah bah oui, direct. Ils ont la mienne, il a contrôlé le véhicule sans autorisation. Et apparemment, il a pris celle d'Hannibal. Donc ils ont les identités? Ouais, la celle de Mike, du moins. Il fait de l'essence. Je pense que si j'éteinte la supérette, ça passe. Ah. Il est à côté. Donc il est à côté ou pas? Hein? Faut qu'on se gare à côté ou pas? Le problème, c'est que si on prend Hannibal, ils vont avoir Mike et ils le savent déjà, tu vois. Oui, oui, il faut laisser finir. On vous laisse finir le contrôle. Hein. C'est le shafter, c'est dedans. Je vais m'acheter les sandwichs. J'arrive. Vous qui se ramène? Bonjour. Bonsoir. Peut-être pas. Je connais pas. Hannibal, si tu sens. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander d'enlever votre masque, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai mal avec le soleil et ça m'a nuit. J'ai fait quelque chose de mal. Bah, mettez des lunettes de soleil dans ce cas-là. Et vous étiez médecin pour me dire ce que je peux faire ou pas faire de façon médicale? Non, putain! Non, je suis pas médecin, je suis policier. Si je fais quelque chose de mal. Vous interdit de porter un masque sur la voie publique. C'est faux. La loi autorise sur besoin médical. Je vous invite à contacter mon médecin, qui est le médecin des UMS, et qui valide que j'ai pu porter un masque pour les visages car j'ai été brûlé au plusieurs degrés. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone? Bien sûr, pas le souci. Tu leur dis c'était une blague. Mike, dis-leur que Hannibal il revient, c'était une blague. Est-ce que je peux avoir votre nom en même temps comme ça pour demander si c'est bien vous? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal, Seigneur? Ah bah oui, le porter un masque sur la voie publique, c'est illégal, monsieur. Très bien. Je vais venir te chercher derrière la sup. Voilà ce qu'on va faire, parce que c'est assez simple. Elle a pas été braquée, Ginette. Vous remontez dans votre voiture et vous arrêtez de faire du zèle. Je viens m'acheter un paquet de cigarettes et vous me cassez les couilles. Sans déconner. Ah mais j'ai pas envie de vous casser les couilles. Eh hein. Bah arrêtez de me casser les couilles. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que j'ai un masque ou que j'ai pas des masques? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Et me dites pas les masques, gna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 gn
recule, je sais pas où il va. Récupère Miguel et on bouge, j'ai le sac. J'ai lui dit que j'avais des problèmes d'épaule. Et quand il est rentré avec son taser, j'ai joué les jeux. Oh mon dieu, une arme, j'ai peur. J'ai jamais vu d'arme de ma vie. Dino, c'est un taser, monsieur. J'ai peur quand même. Il me dit, c'est illégal de porter un masque, monsieur. Il arrête-toi, parle-lui de son double embrayage. Hey, je sais pas si c'est lui. Attends, monsieur les Park Rangers. Vous avez bougé, Pablo? Non, on a bougé. Excusez, monsieur les Park Rangers, ça va votre double embrayage? Disons que... Oui, vous avez fait de la merde avec votre embrayage. Ouais, attendez, on va peut-être éviter de s'arrêter sur l'autoroute, ça vous va? On se met sur le côté? Bon, oui, oui. Oui, allez-y, mettez-vous à droite après. Ouais, ça marche. Mettez-vous juste à droite. J'ai des sacs, moi, je peux pas... Je peux pas descendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les 4x4? On l'a cassé? Je vous ai dit, allez-y, dire, oui. Allez-y en douceur. Quand vous réembrayez, d'accord, avec, surtout avec un 4x4, c'est une 4 roues motrices, allez-y doucement. N'essayez pas absolument de faire les contre-pieds. Oui, mais ouais, c'est un peu compliqué, on va dire ça. Mais oui, je prends note de vos conseils. Voilà, moi, c'est comme ça, c'est un conseil de conduite. Allez, ouais, ça allez. Marche. Allez, souci, bon courage à vous, bonne soirée. Faites attention sur la route. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Je te dis, au moins les Park Rangers ils sont plus sympathiques que ces putains de VCSO. En retour zone. On va revenir aussi avec les sacs. Donc ils vont fouiller qui? Hannibal. Et Hannibal il a rien. Il a plus rien, il m'a tout donné dans la voiture. Donc il est parti en courant, il t'a tout donné, il est revenu en mode Jericho, en fait, c'est une blague. Je l'ai pris dans la voiture, on est monté jusqu'au pont, il m'a donné les sacs. Je lui ai dit tu retournes vers eux, tu leur dis que c'était une blague, il est parti à pied, et puis voilà. Pendant ce temps-là, moi j'ai faisais diversion avec tout le monde qui me regardait dans cette putain de supérette en mode mais qu'il est relou ces mecs. Ça se trouve, ils ont confondu le mec. C'est ce truc qu'ils ont confondu avec celui que j'ai pris dans la voiture. Ah, c'est possible. Moi allez, j'étais là, moi dans la supérette, j'étais là, mon dieu, une arme, j'ai jamais vu ça, je vais faire un malaise. Un taser, ça peut tuer des gens. Et les mecs étaient là, oui, non, attendez, c'est qu'un taser. Oui, monsieur, vous avez l'habitude, pas moi. Ça passe. Nickel. Aïe, aïe. Il me dit, monsieur, vous avez pas le droit de mettre un masque, c'est interdit. Je dis, oui, j'ai des problèmes de peau. Je dis, mon médecin est autorisé. Vous avez un numéro? Et je dis, oui. Et vous avez des clopes? J'ai des sujets. Tu sais, ces moments où tu sens que tu peux pas répondre à la moitié des questions. Du coup, tu réorientes sur une autre question. Oui. Une question, on amène une autre. Une question. Et inception de questions. On se fait une petite supérette vite fait, non? Ouais. Combien t'as des sacs? Parce qu'ils sont tous occupés là-bas. 33? Oh, c'est pas beaucoup, 33. Ah, oh merde, elle est là, entrée. Mon canard. Coucou, Ginette! C'est pour braquer. Ah, je crois que tu t'es fait une pote. Ça braque ou pas? Non, ça c'est les. Je suis très exclusif avec Ginette. Entre ça, les buissons et tout ça, franchement, les lignes de Speedy, je la voyais un peu plus haute. Hein.
Mike Hannibal, ils vous ont toujours pas relâché? Si, c'est bon. Si, on est parti. Aïe, aïe, aïe. Ils sont en villa. Aïe, aïe, aïe. Ah bah? Un arbre. Ça sent les EMS, ça. Nickel. Génial. On va pas se bénir après. Bon, oui, t'as 90. Non, non, et c'était du génie. Tu m'as entendu, Mike, qui gueulait comme une putois dans une supérette? Oui, oui, j'ai entendu. Ah, en fait, on aurait été avec le premier là qui voulait parler, et j'avais les 5 de la précédente, je me serais fait niquer sans problème et y'avait pas de soucis, mais l'autre là, le connard... Qu'est-ce que t'aurais pu tenter en vrai? C'est de braquer la supérette. J'ai failli. J'ai même envisagé de prendre en otage les policiers. Et je me suis dit, Miguel, tu vas faire une pente où ça finit avec la fédé et buter les perquisitions. Le pire, c'est que tu pourrais leur parler, tu vois. Et tu sais, si elle sonne pas, il n'en sait rien, lui. Mais si elle sonne. Si elle sonne, par contre, va falloir. Hein. Va falloir discuter. Ah bah, je vois que ça bosse dur, hein. Ça, ouais, putain. Bah, je sais pas comment ça passe. Hein, mais qu'est-ce qui passe quoi. Plus c'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, moi j'ai hurlé dans la supérette. J'étais là, le mec il me dit monsieur, vous êtes. Parce qu'en fait, j'ai passe devant eux. J'ai me mis dans la supérette et j'entends bonjour monsieur. Je dis oui, bonjour. Il me dit vous avez un masque? Je dis hum. Il dit vous l'enlevez? Et je crois pas, non, j'ai des problèmes de peau. Le mec me dit non mais vous l'enlevez, c'est illégal. Et j'ai dit vous allez dire à mon médecin que c'est illégal. J'ai été brûlé sur une partie du village. Et il me dit vous avez le numéro du médecin? Je regarde, je dis vous avez pas des clopes? Je change de sujet. Là les deuxièmes commencent à rentrer, un taser en main. Et j'ai dit oh mon dieu, une arme, ça me fait peur, je crois que je vais faire un malaise. Voilà. Et le mec me dit monsieur ça va, c'est qu'un taser, je le range. Je dis mais moi, vous avez l'habitude, pas moi. Moi je sais pas ce que c'est les armes, ça me fait peur, ça m'horrifie. Voilà. Et donc les mecs, je lui ai tellement cassé les couilles, il m'a dit prenez vos clopes et cassez-vous. Et pendant ce temps-là, ça a permis Cannibal dans les sacs à Pablo. Ouais, mais en vrai. C'est passé sur le retour. Non, mais en vrai. En fait, ils ont capté. Ça se fait pas. En vrai, ça se fait pas. Mais le premier avec qui on pouvait parler, en fait, j'avais les sacs de la supérette précédente, j'avais oublié de les mettre dans la voiture. Et j'avais pas commencé à braquer celle-là. Et ça m'aurait fait chier que le deuxième qui arrive en mode ouais, c'est bon, elle a été braquée, c'est eux. Et ça m'aurait fait chier en gros qu'ils nous incubent pour celle-là, alors que c'était pas celle-là. J'ai failli à un moment donné faire la supérette. Quand je t'ai vu rentrer dedans, j'ai envoyé un. Il y a un monde où ça passait, hein. J'ai envoyé un. 30 secondes. Il la braque. J'ai failli, et quand le mec il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, j'ai failli sortir mon arme en mode qu'est-ce qu'on fait, moi, qu'est-ce qu'on fait. Et je me suis dit, Miguel, c'est à ce moment-là qu'il y a perquisition et qu'on perd tout. 15 secondes. Oui, les sacs. Non, en vrai, l'autre là. C'est quoi, c'est matricule 42? Je sais pas. Matricule 42, il y a un moment il le premier là. Non, le deuxième. Ah, ouais, celui qui est en mode énervé. Ouais. Mmh. Quoi, bon, en vrai, l'autre, si on le recroise. 93 à côté du point bleu. Cool avec lui, tu vois. Que pour lui, genre, ça aurait pas posé de problème, tu vois. Bon, les 3 hein, sur les 4, il n'y en a qu'un seul hein, qui pose le problème. Oui, une bonne info, enfin une bonne nouvelle. Vas-y, dis. Vas-y. Tellement mis 2 millions sur les Lost. Oh la vache. Oui. De quoi? On a un 2 millions d'avance sur les Lost. Non, ce qui m'embête, c'est que les États, s'ils arrivent pas. Non. Moi, je crois, j'ai bien peur que. Ouais. C'est fini pour l'an. Mais comme les États, s'ils servent à rien, ça m'aurait plu qu'ils doublent les Lost. Bah, juste pour. Ouais. En fait, je voudrais juste qu'ils aient l'air, ils doivent des comptes à. Tu sais, à Venson. Bah, et comme devoir, et lui, il vient,
Il s'élève, il fout la merde entre tout le monde, il va se coucher, il laisse ses mecs dans la merde. Tout super. Tu vas voir que pour dans 6 jours là, il sera pas là. Hein. Il est sûr qu'il sera pas là. Sûr qu'il sera pas là, il va laisser son numéro 2 ou un de ses mecs qui allait au casse-pipe et puis voilà. C'est pour l'instant, après ce que j'ai vu, nous on a quasiment 650-700 000 d'avance. Ouais. Sur les verres, qui ont eux-mêmes quelques au moins 200 000 d'avance sur les ballasts. Ouais, ballast. Sachant que les ballasts nous doivent encore des sacs. Hein. Ouais, mais 250 non. Et après les autres, je suis pas sûr qu'ils pourraient nous rattraper, mais c'est leur demande des charbonnets, sûr. Les vagos, de ce que j'ai plus ou moins compris, ils vont peut-être essayer de titiller les ballasts, mais sinon leur but c'est devant les lost. C'est ce que j'ai plus ou moins compris. Je sais pas qui va faire quoi, les problèmes 4, 5, 6. Benson a dit les derniers perdent son business et peut-être plus. Et il a dit j'aimerais pas être les autres. Éradication de... Le classement il bougera pas, sauf peut-être entre le deuxième et la troisième place. Pour moi je le vois comme ça. Et encore, je pense que... Non, moi je pense que les verts... Ça va rester comme ça, ouais. Diouf il est capable, c'est le genre de personne qui est capable, je te l'ai dit l'autre jour, comme les ballasts, de stocker, et de d'un coup faire un million. Je comprends pas le principe de stocker. Bah c'est que nous c'est relâche, en mode c'est bon on a de l'avance, on a tant d'avance. Les ballasts avaient dit qu'ils le faisaient, qu'ils stockaient. Donc je comprends pas qu'ils te disent qu'ils... Fin fond le truc du monde, lui. Ouais. Je comprends pas qu'ils te disent qu'ils en ont pas, j'en suis sûr qu'ils stockaient. Ils l'ont dit à des petites mains qu'ils stockaient. Je suis sûr que les verres, les ballasts et les vagos s'y stockaient. C'est peut-être juste pour laisser courir un bruit. Moi je pense qu'ils sont pas cons, qu'ils stockent une grosse partie et qu'ils attendent au dernier moment pour tenter des... Tu veux mon avis? Je pense que les ballasts ont mis priorité sur les sacs, que là ils ont plus de thunes et que ils se sont cassés les dents sur quelque chose. Et que du coup là ils monteront pas plus que ça. Et les verts, je pense que s'ils montent, c'est certainement grâce aux gens qui payent, mais pas convaincu à 100% qu'ils stockent. Mmh. Je sais pas. En vrai, je sais pas. À voir. Après, de toute façon, ceux qui sont foutus, pour l'instant, c'est cet artère. Ah oui, bah ça c'est sûr. Hein. C'est la merde pour eux. Mais le top 3 du fond, là... Parce que nous, on a quoi, 3 millions 4 d'avance? Pour les étas? Non, des caisses noires. 3 millions 4 d'avance. Bah 4 millions si on prend en compte que ce qu'il y a remboursé. Aïe. J'ai vraiment peur que Benson paye en salle. Oui. S'il paye en salle, c'est la merde. Paye en salle. Faut qu'on commence à discuter avec les verts. Ouais, bah ouais. Il est là, Diouf ? Non, il m'a pas répondu tout à l'heure. Il faudrait qu'on arrive à les voir pour discuter avec lui, qu'ils nous prennent que nous. Mais il aura aussi lui à blanchir, ça va être la merde. Les Lost, eux, auront pas grand chose à blanchir. Ils sont peut-être crevés. Bah, ils sont peut-être morts, ouais. Parce que nous, ça veut dire que Benson, il va nous donner, imagine, 4 ou 5 millions en salle. Moi, je suis en train de me dire... Ouais, bah... Tu les vois, t'es payé en propre avec des putains de billets. Tu le sais qu'il va faire bosser tout le monde, c'est certain. Je sais pas, hein. Après, ce que je suis en train de me dire... Avec lui, je m'attends à tout, en fait. Au courant de la situation des états, c'est ce qu'il va pas mettre le dernier numéro 5, tu vois. Ouais, un genre de bonus en plus, tu vois, ils sont pas bien. Je sais pas comment il va raisonner. C'est pas franchement les mecs à... En fait, tu sais que les seuls moyens, si on veut, entre guillemets, ça serait, s'ils ont des liquidités, vendre des sacs aux états. Pour mettre les lost dans la sauce. Maintenant, c'est un état d'esprit. Aller faire des sacs pour les vendre aux états. C'est une autre histoire. Ils ont trop de retard là, Miguel. Ah bah là, il faudrait leur filer... C'est pas possible. Bah 5000 sacs. 5000 sacs, plus de 5000. Plus de 5000 sacs. 1 million, c'est 5000 sacs. Et ils auront jamais 1 million à nous payer. Ah bah non, c'est mort d'avance. Hein. Après, ils sont marchands d'armes, merde. S'ils veulent vraiment leurs sacs, bah ils vont voir les verts, ils vont voir les ballasts, ils vont voir à qui ils veulent. Mais ils troquent leurs sacs contre des armes. Hein. C'est ça. Ouais. Maintenant... J'ai lui envoyé un message pour savoir comment c'est passé. Ah non, il m'a dit qu'il était pas là. C'est ça, les chefs des états, c'est pas là. Merde, déjà vu ça. Maintenant, ça veut dire... Mais moi, ma question, c'est par qui il va remplacer? Bah, il m'a demandé tous les petits groupes. Un des petits groupes, je pense. Syndicat, peut-être. Il est cool. Ou les vagues. Ça veut dire qu'attends, attends, il faut qu'on réfléchisse parce que ça veut dire qu'il va donner les armes. Potentiellement. Un petit groupe. Un petit groupe, ouais.
C'est-à-dire qu'on aurait potentiellement encore la main sur eux, je crois. Même si on a la main sur toute la ville, mais la on pourra très bien les, prix, les briefer sur le prix, c'est ça. Maintenant, si on voit que tu casses les prix, bah on te rase, tu vois. Ça s'est très bien passé avec nos anciens concurrents, on s'est jamais permis de les taper, ils se sont cassés la gueule tout seuls, maintenant ça nous dérange pas de vous taper dessus. Et là, à l'heure actuelle, dans les groupes déjà en place, il n'y en a pas un seul qui mérite le bis d'armes. Enfin... Les Lost aimeraient beaucoup, mais les Lost, il faut déjà qu'ils gèrent leur putain de président qui est pas là ou qui fait de la merde. Bah ouais. Quand il est là, il les met dans la sauce. Je pense qu'ils sont pas légitimes à demander quoi que ce soit s'ils terminent avant-dernier. Hein. Je sais pas. Et le bonus, je sais pas non plus ce qu'ils pourraient nous donner. Hein. J'ai aucune idée. Ah, moi, c'est, les bonus, c'est pas grave, finir les premiers, c'est juste histoire de montrer aux autres qu'on est là. Ah, bien sûr. Ouais, maintenant. Surtout qu'on gère là, on prend de la dope en même temps, on blanchit, paf, avec le business, et on est premier. 30 secondes. Combien peuvent s'asseoir à notre table et nous dire le business, il tourne aussi bien que vous? On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, les questions, c'est. Moi, les trois derniers, ils vont douiller, ils vont pas aimer. Ah, bah, oh, ça, c'est clair. Voilà, fin. Maintenant, les questions, elle est là. Elle est. Et... 15. Qu'est-ce qu'on va avoir après pour tout... L'idée, c'est de toujours avoir de l'avancée. Mais moi, je pense que Benson, il va prendre le dernier groupe, peu importe qui c'est, prendre son business et les filer à des petits. Mais bah, comment il va juger les petits? Comment bah, Filiade, la petite ferme. Il va peut-être faire un... Je sais pas. Bah, comment il avait filé les balas? Ouais, parce que c'était des sacs, je crois. Des sacs. Son délire à Benson, c'est les sacs. Dans ouais, ce cas-là, il va leur refaire faire des sacs encore. Non. Dans ce cas-là, il va prendre les syndicats. Les syndicats, banque. C'est sûrement le groupe qui faisait le plus de sacs. Et qui continue de faire le plus de sacs dans les petits groupes. Ou alors, il va leur donner pour faire les banques. Et celui qui ramène le plus de sacs de banque. Oh, c'est les armes de casse-pipe, ça, à côté. Hein. Oh, bah là, ils vont quand même avoir le business d'armes. Hein. Je sais vraiment pas, c'est, tu vois, c'est la question. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Savoir ce qu'il y a dans la tête des Benson, c'est compliqué. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a demandé tous les groupes, les numéros des chefs et avec qui on travaillait. J'ai donné Syndicat, Wave, Zodiac et je crois que c'est tout. C'est Mia, tu les as pas donné parce qu'ils avaient pas ramené ça encore pour le moment. Ouais. J'en ai parlé, c'est foutu de la gueule de leur nom. J'ai pas parlé des Aztecas parce que pour moi ils existent pas. Ils bossent pas pour nous en soi. Probablement ça se joue entre trois groupes. Maintenant. Hein. Mmh. Ou alors on va rester. On va avoir le monopole pendant X jours. Et le temps que Monsieur Benson se décide. Hein, c'est pas impossible non plus. Hein. Je pense pas que le jour où il entre guillemets licencie les Etas, le jour où il détruit les Etas, il n'y a pas quelqu'un tout de suite quoi. Je sais pas. C'est la fameuse question, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Lui le sait. Ça se trouve s'il a posé la question à... Moi bon, déjà la question c'est savoir qui va mettre dans la sauce quoi. Mais... Il va mettre dans la sauce bah, les trois derniers, je pense. Oui, mais qu'est-ce qu'il va leur faire? Ah, ouais. Bon, après ça, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Bon. Écoutez. On verra. On reprend la supérette. Allez. Je laisse relancer les vagues, moi. Let's go. Bon, allez, ben, moi, je vais me coucher. Hein. Bonne nuit, Ben. Demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Ben. Moi, j'ai... Bonne nuit. Demain, c'est pas sûr, mais je suis là plus lundi. Ouais. Ok. Bah, lundi, alors, Miguel. Si jamais t'es pas là. Et le week-end chez moi c'est toujours compliqué. Yes. Tu m'ouvres l'appart Kim du coup? Vas-y. Faut qu'on passe au Bénise. Il faut qu'il... Oui Bénise. On passe au Bénise nous. Oh
Après on aura jusqu'à quoi? Jusqu'à jeudi. Ouais, jusqu'à jeudi. Tant que je serai... Tu pas là toi aussi ouais, j'ai mes rendez-vous banquier début de semaine prochaine. Lundi, mardi, mercredi. Ah ouais, c'est ça. Ou ce sera jeudi. Jeudi aussi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Heureusement, jeudi, je suis pas là pour le... Elle est pas TPT, elle avance pas plus que ça. Bah, je pourrais, mais si je force trop. Non, ne forcez pas. Et ouais, après jeudi, j'ai plus de rendez-vous Bianchi non plus pendant une semaine. Et moi, après les. Après, c'est. Ouais, je vais... Ça va être les fêtes. Oui, après, c'est les fêtes et il faut que j'aille au Mexique en famille. Si je suis pas un peu en famille, je vais avoir des problèmes. Et... Ouais, bah, nous aussi. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de monde de partir en voir. Oui, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir moins de monde déjà. Bah, bien sûr. Et la semaine d'après, encore moins. Les gens, souvent pour les fêtes, ils arrêtaient tout. Bah, ouais, clairement. On y a réfléchi hein, de savoir le bonus, malus, mais... Le bonus, je m'en fous un peu. Ouais, moi aussi. Après, même s'ils nous payent en salle, j'ai envie de te dire, fou, ça va être chiant, mais si on trouvera une solution, tu vois, c'est pas le problème. Et s'il faut se mettre, s'il faut se mettre au vert pendant 3 jours, le temps de blanchir, on le fera. Après, ce qui serait bien, c'est d'essayer de négocier un... Un 5 voire un 10% exceptionnellement avec les verts, tu vois, au moins pour nos 3 millions. Enfin, s'ils nous donnent 3 millions. Tu l'avais dit, 1.5$. Ah ouais? Ok. Oui. Tu l'avais dit. Voilà, dans ce cas-là, on a pratiquement 4 millions. On aura pratiquement 4 millions. Je pense que demain, on les touche les 4 millions déjà. 4 millions. Et combien prennent les verts d'habitude? Ils prennent 500 000 par jour en moyenne. Non, non, mais oui, putain. Ça va être compliqué. Combien les pourcents ils prennent? Bonsoir. 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 Pas de nettoyage. Ok. Et voilà pour vous, messieurs. Merci, impeccable. Bonne soirée à bonne vous. Soirée. Bonne soirée. Faut que tu mettes des sens. Ouais. Mais bon, on est à 15. Les Vagos, ils sont dans la sauce. Ah, oh, mais on peut... Les Vagos, ils sont morts depuis un moment, malheureux. Non, c'est remontable. Enfin, ils ont quand même un million de retard, oui. C'est faisable parce que là tu peux pas, même les états ils pourraient remonter 6 jours. Moi, je pense que 6 jours c'est remontable. Là les ballasts avec la dette qu'ils ont pour nous, on va les maintenir à cette place là. Tu vas, va passer devant chez eux voir s'ils sont là. Partir dessus ça va être drôle. Mais les états ils peuvent remonter. 6 jours. Et là, s'ils foutaient rien. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ils sortent les doigts et 4 à 5 heures par jour et hop.
Ah non, mais tu prêches un convaincu, hein. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Mais. Les états, là, ils peuvent remonter. Je sais pas pourquoi ça monte pas. Moi, je me mets à leur place. J'ai recruté tout le monde. Bien sûr, tu prends tout et n'importe quoi. Prendre la merde, quitte à les buter après. Mais bien sûr. Fais du ménage plus tard. Oh, il y a rien là-bas. Hmm. Yo mec. Ah nickel. Yo. Yo, c'est Pablo. Il est pas là, Nicolai? Il était là, mais je crois qu'il a dû faire coma dans un coin parce qu'il nous répond plus. Le problème qu'il me répond pas. Ouais, il nous répond plus non plus. Ok. Et vu que je lui passe un message, je peux faire ça, y'a pas de problème. Ouais. Ah ouais, le message c'est 850 sacs pour demain, toujours. 855 pour demain. Ouais. Allez-y. Et on attend les excuses de sa part. Ouais, ça sera dit. Marche. Et là, on se voit demain. Et ça demain. Merde, j'ai attrapé une sale grippée. Yo, c'est bon. Dans le truc qu'il me raconte lui. Son gars avait l'air de dire c'est faisable largement. Bah tiens, regarde qui c'est qui m'appelle. Nicolai. Les excuses je voulais ouais. Ce soir. Il y a Miguel qui t'attend pour des excuses. Et c'est toujours 850 sacs pour demain. On t'attend chez nous, maintenant. Tout ça à la vue là. Ça va? Ah ouais, y'a probablement une visite balasse. On les a conviés à la maison. Ok, je vais me changer. Oui, on va se changer et s'armer. Faut espérer qu'ils viennent. Mmh. Ok, 47. Oui. Derrière le portail. Nickel. Ah, mais t'es passé par où, Miguel? Il est parlé par brise. Je suis tombé de la porte. Tu pouvais pas attendre. Et j'ai pas descendu, j'avais pas mis ma ceinture et quand t'as tapé, j'ai dévissé du cul. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit, tu pouvais pas attendre. Non.
Nickel. Non, ça me va trop bien. Oui, mais j'ai un peu froid. Regardez s'il y avait des... s'il était chargé ou moins. Bien sûr que j'ai regardé s'il était chargé. 30 secondes. Tout beau quoi. Oui, tout beau. Regarde comme je suis beau. Ah ouais. C'est pour les grandes occasions en plus le blanc. Oui. Ça va dépendre comment il répond. 15 secondes. Je sens venir les... Ah là là, je peux pas pour demain, c'est compliqué. Ils font que chouiner de toute façon. Ouais, elle a pu mettre ses sacs cette nuit en tout cas. Que chouiner. 120 aéroports. Il va pas venir. Ouais. Il a été cordial d'échange. Je sais pas, c'est pas bloqué. Il a commencé à me dire il faut arrêter de vous croire chez vous, je sais pas quoi. Je lui fais écoute, maintenant c'est les excuses, c'est ce soir et les sacs c'est demain. On t'attend à la villa maintenant. Et j'ai raccroché. Rappelle-le. Aïe. Oh, je sens qu'on va aller chez eux. Non, non, on va pas aller chez eux. Ok, ça marche. Il arrive. Il a dit qu'il faut qu'on arrête de croire que... qu'on était chez nous, chez lui, en haut. Mais dans cette ville, tout le monde est chez moi. Ouais, là-dessus. Ah, ils sont probablement devant. Si jamais vous sentez que ça se tend, vous écartez les mecs. De courir du terrain si jamais il décide de tirer ou une connerie comme ça. De préférence, ça serait bien que la roquette. Ah, mais il est ok. Stand by quelques minutes. Hey yo. Monsieur, bonsoir. Yo. Comment se passent les sacs? Pas fameux. Pas fameux. Vous en avez? On en a un peu, ouais. On a des sacs de banque aussi, si tu veux. Sacs de banque? C'est bien ça. Combien? Une centaine. Une centaine. On prendra. Le reste, je te laisse voir avec Miguel. Certes. L'autre soir, nous avons réagi à chaud, un mauvais call de ma part. Comme votre second m'a expliqué, j'aurais dû parler, savoir les identités avant d'agir. Sinon, il y allait avoir des conséquences. Maintenant, j'en paye le prix. Je m'en rends bien compte. Mais bon. Grove Street, ça a toujours été chaud pour nous. On a toujours essayé de faire respecter notre quartier comme on l'a pu. C'est pour ça qu'on a fait ça. Ça n'a pas été la meilleure chose à faire. J'espère qu'après notre
d'être payé, on pourra retourner sur de bases commerciales cordiales. Est-ce que nous avons été mal polis avec vos hommes ce soir-là? Pour faire simple. Non, c'est une question. Est-ce que nous avons été mal polis? Est-ce que nous les avons menacés, sortis des armées? Est-ce que nous avons tenté d'agresser, de braquer? Bah, le call radio a été mauvais. Oui. Le call a été clairement de mon côté que vous étiez en train de braquer mon ballast directement à la supérette. Et vu que c'était arrivé il y a 3 minutes à Vinewood, on a agi direct. On n'attend plus trop avant d'agir maintenant. J'ai souvenir d'avoir été battu. Quelqu'un s'est penché au-dessus de moi, m'a traité des petites salopées. Qui a dit que j'étais ces petites salopées? Probablement moi. Et j'ai dû faire ça sur plusieurs corps qui étaient par terre. Pour une fois, je connaissais pas l'identité, mais quand on vient dans mon quartier, je me défends. Au moins vous assumez, Nikolai. Vous n'êtes pas en train de dire que ce n'est pas vous, vous n'avez rien fait, vous assumez. J'assume toujours mes actes. Depuis le début. Je n'ai aucun intérêt d'écrire une guerre, ni entre vous et moi, ni avec un autre, et le fait que dans les dernières semaines, j'ai expédié une guerre en moins de 24 heures contre les Vagrosse et en moins de 4 jours contre les Lofsté. N'empêche pas que je prenne toute la mesure. Mais la vie humaine et de ce qui peut se passer. C'est pour ça que je dis que si vous présentez les excuses et qu'il y a, c'était. C'est ça qui vient en dédommagement, alors on s'arrête là. On va pas plus loin. Pour les sacs, vous avez jusqu'à demain. Pour les excuses, je les attends. Au nom des ballasts, je vous présente mes excuses à la Mano d'avoir agi trop vite ce soir-là. Et j'espère pouvoir retrouver des relations cordiales. Entre nos deux groupes. Peu de personnes ne font ce genre de choses-là. C'est une bonne chose. Pour les sacs, vous verrez avec Pablo, c'est lui qui fait les comptes. Je vais faire une petite parenthèse dessus. On a les 100 sacs de banque ce soir. Ça t'enlève 500 sacs. Il m'a dit que tu les avais. Allez dans 15 minutes. Dans ce cas-là, on t'attend. On y va. Encore une petite chose, Seigneur Nikolai. Bien sûr. L'entente et le respect seront de mise. Maintenant, je ne veux plus entendre que la Mano se croit chez eux à tel endroit où la Mano fait trop les kékés. Sinon, je viens faire une recette de cuisine directement dans votre quartier. Je ne parle pas de Valace. Et je n'ai pas des propos à votre égard. N'en ayez pas au mien parce que sachez que quand je fais des promesses, je les tiens. Vous pourrez demander à un tel roi à essayer. Mes promesses tenues
ne sont pas agréables. Il est toujours là tout à l'heure. Il a du mal à se remettre. Il est là par moment quand il arrive à marcher. Pour l'instant, il est à pied. Sa moto est dans mon garage. Ok, j'ai compris. On arrive dans 15 minutes. Premier qui assume. C'est pour ça que. Et tu vois, on misait pas une pièce sur les ballasts il y a quelques mois en arrière et au final c'est ceux qui assument le plus. C'est pour ça que nous n'irons pas plus loin. Il faut quand même une sacrée paire de couilles. Oui, mais. Non, clairement, hein. C'est ce qui pourra les mener loin. Tu vois, c'est le genre de mec qui assume et qui veut le business de l'hosté. Tout à l'heure, Pablo, tu lui remettras une petite couche que s'il veut les business et de l'os, faut aller chercher maintenant. Pas dans une semaine. Pas dans 3 semaines. Donc, il s'assume, il présente les excuses, il y a une répartie, il y a une contre-répartie, on avance, fin. Ouais, voilà. J'ai rangé les jouets. Petite commande et puis... Ouais, je pense qu'on peut ranger aussi. Alors pour information, le chat pour tous ceux qui étaient en mode vénère, les règles du serveur ont changé il y a maintenant 3 semaines ou un mois et la règle du coma a changé totalement où tout le monde peut se rappeler de son coma. Ça a été changé il y a 4 ou 5 semaines. Voilà. Tenez-vous à jour avant de hurler. Il y en a 2 ou 3 qui ont hurlé et qui sont, je crois, ils sont pris à l'instant ban. Ce qui gueulait comme des putois. Arrêtez de gueuler, demandez au pire. Bon, en vrai, il était carré, Nicolas, là. Il est balas, ils sont carrés. Il a fait une connerie, il assume. Maintenant, le truc, il est là. Est-ce qu'on a intérêt de leur foutre sur la gueule non-stop? Pff, on pourrait tous y passer. Les armes, ça reste des armes. À force de faire pan-pan, hein. T'as des gens qui ont une mort RP, hein, fin. Faut se rappeler, hein, c'est la première règle du RP. Hein. Ta vie, tu la défends. Donc, t'as peur de mourir. Nicolas, les balas, ils sont carrés. Hein. Personne n'a mis des copecs dessus, mais moi, je pense qu'ils niqueront les Lost. Je pense qu'à terme, ils vont niquer le business des Lost, quoi. Et au lieu de 350... Ils ont pas vu la vidéo en entière. Mike. Ouais, ils se sont fait voler, oui. Je pense. Tu me prépareras aussi t'es sur les 2 poulains que tu m'as dit. Ouais. Tu me les testes et tu vois lesquels on prend. Ça marche. Tu peux laisser l'état intime et les partir en Europe. Quoi, Pablo? Un beau PowerPoint. Un PowerPoint, eh? Oui. De mes 2 poulains? Oui. Avec des graphes. Tu m'as dit celui qui est pas mal, celui qui est pas mal et. Les autres les connaissent ou pas du tout? Oui, je suis pas sûr que moi j'ai envie de savoir. C'est celui qui avait postulé pour la ferme. Ah, celui qui a racheté mon ETR? Oui, celui qui a racheté l'ETR. Quelque chose me dit que le deuxième on le connaît aussi. Oui. Moi, je pense que les deux vous les connaissez puisque j'ai dû en parler. L'un est passé dans la criminalité. Parce que c'est ce qu'il comptait déjà faire. Il en avait marre du civil. Et l'autre est toujours au Weasel News et elle s'y plaît, elle aime bien récupérer les informations. J'ai déjà un peu mon avis si ça part pas en couille avec les Lost. De toute façon, il n'y a qu'une seule place. Ben s'implique bien. Ça avance bien, tout va bien. Faut bien les mettre dedans. Maintenant,
tu vas avoir aussi à former les prochains. Ouais. Laissons le temps à Tim de préparer ses affaires. Secondes. Une petite question. Est-ce que de la même manière qu'on met les balas sur les Lost, on mettrait pas un petit bout sur les Etas? Attends, peut-être que Benson voulait ses noms de groupe pour justement organiser ça, tu vois. Je sais pas. Ah oui, peut-être. 30-55 derrière la mine. Peut-être qu'il... Je sais pas, peut-être qu'il voulait les noms pour leur dire, bah écoutez, le dernier c'est eux, tous sur eux, ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Non, oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Surtout qu'on a plus d'intérêt de mettre les Lors dans la sauce que les... Et les Etas, ouais, c'est clair. Les Etas, c'est... ils sont morts déjà. Non mais oui, justement, quand je te dis qu'ils sont morts déjà. Ils vont mourir tout seuls. Et si on encourage un petit groupe à se démarquer. C'est risqué. Je pense que pour le moment, faut laisser comme ça. Faut laisser se faire. Les Etas se casseront la gueule tout seul, de toute façon ils ont pas l'air de vouloir attraper le truc. On arrive à mettre les ballasts sur les Lost, c'est tout bénef. Ok. Et c'est pas dit que le dernier et l'avant-dernier perdent pas leur bise. Ouais, c'est ça. Hein. Que les Etas sont morts en chemin, peut-être que... Et j'ai même envie de te dire... que les trois derniers ils vont perdre leur business et il va mettre trois petits groupes dessus. J'y ai pensé ça et ça serait ah, j'y ai pensé aussi, ouais. Mais est-ce que bon terme faut... en est-ce qu'il prendra le risque de mettre en péril le business ah, est-ce qu'il tourne trois, le business déjà. Trois groupes qui changent, tu vois. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il va considérer que les Etas sont plus partie de la compétition et que le dernier c'est les Lost. C'est peu probable. Benson, il a 6 groupes. Le dernier, c'est les derniers. Déjà, il était gentil. Il a battu Viggo Morrison. Et plusieurs. Il laisse quand même un chef à disposition en disant vous pouvez concourir. Donc, non, il a déjà fait sa BA. C'est clair. Ça va arriver dans combien de temps? 15 minutes après qu'ils sont partis, donc je sais pas trop. Ah non, pas longtemps. Tu vois, tu demandes, tu reçois.
peut-être un peu moins. On aura une deuxième personne pour réceptionner aussi le reste. J'ai pas eu le premier. Ah, ça va, vous appelez pas madame. Non, tout va bien. Va falloir que tu prennes, je crois que je suis plein. T'en as combien, Mike? 80. C'est bon. Un petit dernier truc pour tâche concernant les Lust. Finalement, ils sont avant-dernier. Là, ils ont décidé d'abandonner. Visiblement, pas tenu ce qu'ils ont dit. Mais si tu peux toujours obtenir ce qu'ils ont, c'est peut-être le meilleur moment. C'est le meilleur moment, tu crois? Et s'ils doivent gérer les sacs, plus une guerre, ça va être compliqué pour eux. Oui, mais là tu vois qu'un côté du camp pour le moment. Ah bah oui. Faut que t'achètes les armes. Oui. Ouais, je te lance l'idée comme ça, hein, mais... Oui, bien sûr. Et si tu veux voir les états se remonter, ils peuvent... Tu peux potentiellement négocier quelque chose. Il reste 6 jours... Imaginons que les États s'aient trouvé un bon fournisseur des sacs ou une solution, que les Lost terminent dernier, ils perdent leur business et peut-être la vie. Et les États ont encore leur business, hein. Négocier quelque chose. J'ai une deuxième place à maintenir et à reprendre. Après, ça, c'est toi qui vois, hein, si tu restes dans la dope. Dans la vie, il faut faire des choix. Mais je suis sûr que vous ferez les choix les plus logiques. Ouais. Et on se recaptera pour du business. Bah allez, on est posé sac. Il nous en reste 350 pour demain, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Allez. Bah bonne soirée. Bonne soirée. Allez les mecs. Oui. Vous avez déjà donné les sacs? Non, on les a sur nous. J'ai entendu les petits pfff. Ma femme a planté quelqu'un. Parce que c'est pas dit qu'ils puissent acheter des armes en fait. Ah mais ils ont qu'à les négocier avec... Quand il a dit tu vois qu'un seul côté... Vas-y, je pense qu'ils sont dans la sauce. Mike. Ouais. Ils sont dans la méga sauce. Ah ouais, moi je pense qu'il y a plus de thunes. Hein. Il y a plus de thunes s'ils bossent pas à côté. Oh putain, faut faire des sup là, il y a le 4 millions, il est pas loin. Bon, il est pas loin, oui, non. Oh, s'il faut 100 000, il faut 500 sacs. Il faut quand même 500 sacs. Ah, il faut 20 000. Il faut 12 000. 12 000, qu'est-ce que vous me racontez? Comment ça, 12 000 sacs? Bah, 3 988 000. Ah, mais moi j'ai pas 3 millions, j'ai 3 millions 8. Et... Bah, faut, mais... Reparle on reparle la marque. Et reboot. Ah oui, j'ai reboot, Marc. Allez, 12 000. Il faut faire combien de sacs? Bah, techniquement, bah, c'est quoi? C'est 100 points le sac? 200. Oui. 200. 200 sacs, ça fait techniquement ça fait 2 supérettes pleines ou 3 ou 15. Allez, c'est parti. Non, c'est 20 15 sacs. Quoi c'est 20 sacs. 20 sacs. Ah bah oui, c'est 20 sacs, 10... bah une supérette. Oui, bah go, on y va, on fait les 4 millions et on va se coucher. Allez, je crois que c'est la supérette du bilatage. La supérette des trous. La supérette. Je reste en tenue, flemme de me changer. Oh, super bilatage. Ouf. L'arcade. C'est un coco ça. Le coco de la mort, ça. Ah.
Donc on va faire 56 ans, on va pas être. Ça veut dire qu'on va avoir à peu près 800 000 d'avance sur les verts. Donc 1 million sur les balassés. Ouais. Ouais, je la sens bien là. Oui. Tu la sens ma grosse intelligence? Merde, pas le bon sens. Ginette! C'est pour 56. Braco. Ginette, Ginette. La perfection masculine, Ginette. Il y a un connard qui a fait notre supérette. Il nous est arrivé la même chose en début d'après-midi. Il était scellé, on n'avait personne. Par contre, entre nous, les balas gardent pas, les balas gardent pas. Oh, 100 sacs des banques! Je te dis, eux, les verts et les vagos, ils ont gardé tellement. Ah, il y a une banque stop-run. On va voir si là, ils reprennent la deuxième place rapidement. Il y a eu une banque stop-run. Ils ont 200 000 d'écart avec les verts. Bah, je pense que ça les arrange pas d'avoir dû nous donner autant. Mais en même temps, il s'est dit que s'il se fait défoncer la gueule H24 pendant les 6 derniers jours, c'est pas bon pour lui non plus. Et ça va, 305, il lui reste 355 à nous donner. Demain, c'est plié, hein, normalement. Et après, il lui reste ce week-end et jusqu'à jeudi pour un... Merde, il y a un connard sur notre supérette. Ah ouais, c'est moi. Oui, on a vu que c'était toi, Mike. Je suis quand même surpris qu'il... Tu vois, il y a quelques mois en arrière, on ne mettait pas une pièce sur eux, et là, le nombre de fois on les a couchés, eux. Tu vois. Quoi, ça a servi. C'est, les vagos, c'est pareil, tu te dis que tu mets pas une pièce dessus et en fait. Et... Ouais, mais clairement, bah heureusement qu'il y a Ice surtout. Hein. C'est pas les seuls. Ouais. J'aime pas qui c'est son numéro 2. Tu vois, les états, depuis les débuts, je te dis que c'est des brels. Ah bah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Les 20 fois que je t'ai dit que Morrison, c'est un teuteux. Tu sais que tu peux crier, je suis à côté. Ah ouais, merde. Ça fait 20 fois que je t'ai dit Morrison, c'est un teuteux. Ouais, et tu peux rien faire pour ça. C'est les. Je vérifie. C'est. Tu mets pas un copec. C'est pour nous? Non, c'est pas pour nous. Mike, ça vient sur toi! Tu braques, Mike, c'est pour ta gueule. Eh, faites-en 20 au moins. Oh, on braquait pas. Là. Ouais, d'accord. Ça braquait pas. Bah, c'est pas pour vous alors. La journée, je les ai croisés. C'est juste pour le Weasel News, il devait rouler trop vite. Essayez de voir direct sur les points assez loin, genre les deux extrémités sur la grate et. Ou alors la Palomino. On a un hélico qui est au-dessus de nous, mais qui vole hyper haut. Mais tu vois, si on reprend les vagos, c'est historique. Mais c'est un peu phénixé. Ouais. Les verts, c'est par vague, mais des fois ils sont taqués, des fois ils sont plus calmés. Les ballasts, ils ont eu beau... Ça braquait. Les ballasts, ils ont eu beau prendre. Ils sont toujours là. Si, ils sont solides sur les appuis. Les états, je pensais clairement que potentiellement on aurait pu faire du beau il business vous faut avec eux. 59 sacs pour atteindre le 4 millions. Qu'ils auraient pu être, tu sais, à terme dangereux. Le problème, c'est qu'ils se sont complètement empêtrés dans leur endroit des merdes et qu'ils se sont mis à faire des, tu sais, des agissements des teuteux. Morrison s'est passé des mecs qui étaient potentiellement dangereux et qui voyaient des coups d'avance à une espèce de teuteux qui fait n'importe quoi. Soit. Ouais. En fait, c'est exactement comme Little Seawood. Des gens qui auraient pu faire très mal et qui, à un moment donné, se sont pas donné les moyens de faire.
Le mec s'est auto-tué. Et les Lost, et... je sais pas comment les décrire. En fait, les Lost, tout allait bien. Leur chef a décidé de dire, c'est comme un Vigo. D'un coup, il décide qu'il va foutre la merde parce qu'il s'ennuie. Je sais pas s'il est à nous l'hélico au-dessus, mais il y a un hélico. Mais bon, il n'y a pas de voiture donc. 17 sacs. 3 pour passer les 4 millions. 18 sacs. Soit 21. Oh bah écoute, pour le moment c'est calme. Hein. Ça doit être le With the News, je pense, l'hélico. Par contre, qui c'est qui a fait les calculs là? Combien de points c'est un sac? 200 points. En fait, il en faut 60. Ouais, il en faut 60. Donc, 20 fois 200 points. Faites-moi le calcul, les gars. 4000. Voilà. Bande de toto. Ouais, je suis fatigué. Il en faut 60. Ça tombe bien, j'en ai 30 ébrouettés. Je me fais. C'est toi qui c'est me moi, dessus. C'est moi. Ça doit prendre à nous regarder. Tu veux crever un pneu? Oui. Ouais, ça se voit. Galère. Faut arrêter à un moment donné, qu'est-ce qui. C'est quoi? C'est. Mais je croyais qu'il faisait son essence. Non, il faisait pas son essence, c'était un voyeur. Ah ouais? Oui. Combien t'en as? 42. On part avec 42 avec Pablo. Ouais, chez nous ça braque pas. On est tombé sur un voyeur des supérettes, il est reparti avec un pneu au moins. Vous faites lesquels là les gars? On est sur l'autoroute de l'Ouest. Vas-y, on va tenter la on va poser ce qu'on a sur nous et on va faire la Palomino. À moins que tu me le donnes, on y va direct. Non non, on me pose ça. Vas-y. J'ai fait les 4 millions et après je vais me coucher. Oh, pareil. J'ai relancé. Vous avez fait celle du Black Cat? Oui, c'est celle qu'on a. Non, on l'a faite, mais j'ai déjà blindé. Il doit manquer 20 ou 25 là.
17 au sac normalement. Il y a du monde là. On va faire celle d'un fait d'à côté. Mais là, on va faire celle du zombie. La base. Il y a un monde, si je me gare correctement, on se fait même pas contrôle. Limite, tu peux aller réparer. Ouais, ouais. Ça braquait. Vous êtes où? Super aide du zombie car. Il y a une Akuchu Drag que Zombie Car en enchère cachée. C'est quoi ce principe des enchères cassées? En gros, tu fais une offre, mais t'as pas moyen de savoir quelle offre est la plus. Oui, il va bien, il va bien. C'est bon, je suis tombé. Merci. Ouais, fais une partie de carte. Et actuellement. Et merci à vous en tout cas d'avoir demandé, c'est gentil. Bonne soirée, bon courage. A bientôt. Je me suis cassé la gueule en sortant d'un supérette, le policier a demandé de mes nouvelles, c'est trop beau. Donc tu disais les enchères cachées en fait, c'est tu fais ton montant, oui. Tu donnes ton offre et tu sais pas si c'est toi qui as la plus haute ou pas. Et c'est la plus haute qui l'emporte? Ouais, comme une vente aux enchères, sauf que tu sais pas qui. Tu sais pas quel montant est le plus haut. Mais le mec donc il avait absolument aimé 1 million, on n'en parlait plus. Oui. Ouais, j'étais ouais, c'est un peu ça. C'est débile. En fait, aurait fallu que, tu vois, ça aurait été plus chouette qu'il dise un montant qui pour lui semble logique. Tu vois, s'il il dit une accouche ou drague, pour moi, ça vaut, allez, les bons prix, c'est 133 000. Et en fait, celui qui a les prix les plus proches, comme les justes prix, c'est lui qui prend. Ou alors, il fait une vente aux enchères sur le parking du zombie. Ramener du monde, ça fera de la pub aussi. Je suis même pas sûr, Pablo, que ça suit encore. Je pense qu'ils ont décroché. Bon. Ouais, bon. On a combien? 12. Nous, on en a 12. Il en reste 5 qui sont en train de breaker. Je pense qu'on peut leur laisser la dernière. Bah, techniquement, c'est vous qui avez les derniers sacs. Il en faudrait 5.
On les récupère. On l'a commencé, on l'a fini. Oh non, mais finissez, mais en gros, si jamais les keufs arrivent, il nous en faut 5. Là, je les ai déjà, je pense. C'est l'arme de la voiture là qui fait des bruits chauds. Ah. C'est l'arme de la voiture, oui. C'est l'alarme des bip des gardes. Ouais. Je crois que je suis des gardes cette nuit. C'est bon ça ah. Oui. Du coup ça pue, attends je passe la deuxième. Non coup. Non ça pue pas ah, mais... Okay. Attardez à dormir un peu. Ah, ça serait con que ça nous réveille dans la maison. Et non pas dans la maison, je crois partir des 3 heures. Ah ouais ça va. Bonsoir, livraison. Et bonsoir. $3,999,000. On en met juste 5 et le reste en stock, histoire de faire 4 millions pile. Ah oui, t'en mets 5, et après on commence à stocker, on met des côtés, et dès qu'il y en a qui essayent de nous niquer, voilà ! On met 3000 putain de sacs. Vous en êtes où ? Bientôt fini. Elle était grasse. Et c'est relancé. Je viens de me faire tirer dessus par un 4x4 noir et blanc niveau sub de LS. Ah, c'est quand nous. Je faisais, quand je faisais le plein. C'est nous. Si c'est l'un de vos hommes, sachez que je suis désolé. C'est un Waves. Oui, bah. Il faisait les. Tu sais, il faisait ouais. les espèces des voyeurs. Qui... Ouais, mais vous tirez sur Momo qui aime bien faire les boîtes. Ah, bah d'accord, sauf qu'il faisait les voyeurs des supérettes. Il nous regardait droit dans les yeux, j'ai fait les pneus. Oui, bah. Mais il est désolé. C'est bien qu'ils soient désolés. Non mais j'ai regardé Pablo, ça a bien bossé, ils ont fait 42-44. Ouais, et ça bosse bien en ce moment. Et aujourd'hui ils ont même commencé à 14h. Ils sont à 42 là. Sauf s'il manque des caisses que t'as pas mis chérie. Ils m'ont rien livré pour le moment et justement j'ai peur de quand ils vont livrer, de combien je vais devoir leur filer. J'ai plus d'ailleurs des sous de caisses noires Pablo. Faudra que tu m'envoies des sous. Non. Pas donné. Mais ouais, on peut partager. Ouais. Non, même pas partager, mais tu me mets 1 million au cas où pour rembourser un peu. Quand tu as besoin. Mais là, ça serait très drôle qu'on fasse 4 millions, on attend et on stocke. Je trouverais ça très drôle. Ah, là, les derniers sacs. J'en mets que 5. Ne déconne pas mon petit loup. Les mets à part. Hein. Non non mais en 5 elle n'en parlait plus. Et derrière, maintenant ce qu'il faut, c'est 4 millions piles, c'est ça bah, et maintenant on stocke tout. Je veux qu'on stocke tout. Ah mais t'as pas peur que les... Demain Benson ils disent que par exemple les sacs ils valent plus rien.
et qu'on ait 2000 sacs de côté pour rien. Non, non, mais il n'y a pas de réseau. Alors, non, mais on va pas les garder. Disent, vous mettez rien depuis X jours, je vais vous niquer la gueule. Non, mais surtout qu'on n'est pas les seuls. Les, tu gardes un peu des côtés pour le week-end. Ah, ils en mettent de temps en temps. Mais bien sûr. Et lundi, voilà, on en met 2000. Lundi, il restera quoi 4 jours. On est bon. Ou alors, ce qu'on fait, on enchaîne les banques et on stocke les sacs de banque. Oui, alors, enchaîne les banques. Et on enchaîne les perquises. Mmh, oui. Ouais. Bon, et on réfléchit à tout ça. Non, mais mettez-les comme vous voulez. Allez, sur ce, je me casse. Eh, coucou. J'arrête quand même la placement parce que c'est beau. Je serai là un peu demain matin, puis après, je suis de retour lundi. Et 4 millions. Ça marche. En plus, lundi, c'est mon anniversaire. Ah oui. Je vais être en chaud. Pourquoi? Je me pars mon anniversaire. Mais pourquoi? Je sais pas. Un an de plus. Et boss. Mmh. Une chance de vieillir. Ouais, mais c'est une date qui est douloureuse. Allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, boss. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Demain, nous testerons Icarus de 13h à 17h. Et après, il y aura week-end. Et lundi, vous aurez un melting pot anniversaire. Donc, vous aurez l'après-midi une FAQ BD Miguel avec Antoine Losty qui nous fera un dessin de Miguel de Noël pour préparer la BD. BD qui part d'ailleurs en tirage là, je crois, demain ou mardi. Elle part en impression, là, la BD pour le 10 février parce que ça va approcher vite, hein, les gars. C'est dans un mois, quoi, grosso merdo. Donc, c'est assez ouf. Voilà, donc il y aura ça l'après-midi, lundi après-midi, et lundi soir, ça sera le RP des 35 ans, donc il y aura plein de personnages, plein de délires, je vais essayer de mixer, de délirer, de voilà, de passer un bon moment. Ça sera lundi, il y aura du RP mardi soir, il y aura peut-être mercredi, mais c'est pas sûr, parce que je suis de garde, il y aura du RP jeudi, et puis après, ça sera Noël, je prendrai 8 jours de vacances. Mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, merci au follow, merci au sub, merci au resub, merci aux bitseurs, et moi je vous dis à demain, si vous le voulez bien, on testera Icarus demain, qui est un jeu de on sera à plusieurs d'ailleurs, et qui est un jeu de survie, on va rigoler un petit peu, c'est une OP Nvidia, mais ça sera cool, bonne nuit à vous, à demain, et ben on se retrouve demain, 13h, salut! Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this took time. This what a legacy look like. We'll be right back.